Et salut tout le monde! C'est quand je vous ai dit que c'était le plus dur. Salut tout le monde! Alors ils sont en train de faire les fous derrière et vous entendez pas, je sais pas s'il y a quelqu'un, mais bon, bonjour à tous ceux qui sont là. On est parti sur Pokémon Insurgence en course. Je vous montre l'incroyable overlay de la course. Avec ma première participation et une écho qui s'amuse à bouger. Attention. Ils sont insupportables derrière, c'est magique. Merci Titi. Merci Titi pour le host qu'on n'entend pas, merci beaucoup. En plus, le host est en train de headbang sur Nuneco, c'est magnifique. C'est ça. Mais coucou Rinsu, et du coup, je vais laisser les gens parler parce qu'ils ont tous envie de dire bonjour, donc. Vous pouvez dire bonjour à Rinsu si vous voulez, n'hésitez pas. Coucou Rinsu. Du coup, pour cette course, on a la grande, l'exploratrice, on a Nuneco. Coucou J'ai entendu Nuneco. boutique de fringues. Oui, boutique de fringues. On a l'acheteuse compulsive aussi, Nuneco, du coup. Mais ça rentrait pas non plus dans le titre. J'allais pas mettre. Ensuite, l'incroyable, le talentueux, le double champion, triple champion, je sais plus à combien de fois champion, mais c'est le World Champion, Lima Speed Champion, Papy Tornado. Papy, two champs, bonjour. Il veut son jingle. Donc vous voyez la petite coupe à côté de Papy, il est toujours le champion, mais pour combien de temps, on n'en sait rien. Ensuite, le dernier, mais pas le moindre, le Lucario, ici. Bonjour, au remplaçant, à la personne grâce à qui cette ROM est possible, parce que il est arrivé à la dernière seconde pour nous sauver. Je vous présente le sauveur, le génie, Titi. Ça rime. Bonjour. Coucou. Pour finir, moins important, mais c'est ma première course, donc bah coucou Kidé, comment ça va? Ça va bien, merci, et toi? Voilà, C'est intro, pire. intro éclaté sur 20, hein, les gars, n'hésitez pas. Voilà. Donc n'oubliez pas, comme d'habitude, alors d'habitude j'aime bien présenter les chaînes des gens, mais là, alors, Nuneco, pas de chaîne, Titi, pas de chaîne, Kinekati, vous êtes dessus donc j'ai pas besoin de faire de la pub, et il reste une pub à faire, Papy Tornado, je te laisse présenter rapidement ta chaîne, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, et ils sont à peu près 0,2 sur le chat à pas connaître. Bah on te Mais laisse parler pour les 0,2 personnes. alors bonjour aux 0,2 personnes. Alors déjà, je tiens à vous dire que vous êtes mal barré dans la vie si vous n'êtes qu'un vingtième de vous, un cinquième de vous-même. Sinon, plus sérieusement, entre RP Catch, gaming plus classique, jeu de cartes et libre antenne. D'ailleurs, ce soir c'est l'abécédaire du catch pour ceux qui connaissent un petit peu grâce au RP, mais qui ne sont pas, enfin qui n'ont pas les clés avec le vocabulaire qui est quand même assez étrange quand on l'entend pour la première fois. N'hésitez pas à passer. On démystifie tout ça ce soir. Et du coup, dans le chat, on a Rinsu qui passe faire un coucou rapide et qui nous dit de nous préparer pour la prochaine course, car elle arrive et elle va nous montrer comment il faut se comporter lors d'une course. Je n'en dirai pas plus. Ensuite, on a Aki qui est présent et qui du coup mise sur moi. J'ai mon premier supporter, mais je préfère ne pas en avoir dans ces cas-là, mais c'est gentil, Aki. Mais t'es déjà un cinquième de toi-même, Arendi, tu les as déjà rejoints. Ne viens pas dire que tu vas les rejoindre. Et Arendil, ananas professionnel devant l'éternel, qui supporte du coup Nuneco. Il a une belle armure renard sur Minecraft Dungeon. Je crois que. Et voilà, ça commence. Du coup, là, Arnard. on est devant le choix du Pokémon. On a passé toute l'introduction parce que le but c'est de faire une course, pas de faire un scénario. On a vu des Pokémon mourir, on a vu des gens mourir, être sacrifiés. Aidez-nous, cet homme est possédé, s'il vous plaît. On a vu. Appelé par le culte de Darkrai. Oui, on a pris un peu de sang pour nous pour pouvoir se transformer. C'est Comment il compliqué. est où, Mew? Ah, il est pas là. Bon. Et Nu nous a passé une flûte au passage. Oh, J'ai flûte. entendu Mew, j'ai bugué. Voilà, je vais appeler la flûte de Nuneco maintenant. Non, Non! Mew nous a passé du café dans son clavier, c'est tout. Ah non! Elle déconne pas encore heureux qu'il fonctionne mon clavier là, parce que là. Donc l'objectif de cette course, ça va être d'être Fou, j'ai le plus loin possible. C'est un objectif au temps, donc ça, au bout d'un certain temps,
qui n'est pas encore totalement définie, on s'arrêtera. Et clairement, c'est un jeu qui est compliqué. Je sais qu'on n'ira pas forcément hyper loin. C'est un jeu qui prend du temps pour aller loin. Donc voilà. On est devant le choix du starter. On est aussi en egglock. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on fera le choix de notre premier Pokémon, on aura une liste d'eux, on va le changer et on va prendre un œuf à la place. Et à chaque fois qu'on aura un Pokémon, il sera inutilisable jusqu'à ce qu'on aille le remplacer par un œuf. Une fois que l'œuf est clos, en 2-3 pas, c'est très rapide, on a un nouveau Pokémon qui arrive au niveau de celui qu'on avait capturé ou de celui qu'on a obtenu. Oh. Alors sache que Kiné, que Aki vote pour Kiné vainqueur, Aredil mise sur New, bon, en même temps... Arendil, fanboy, on te connaît, hein? Allô? Arendil, je vais me perdre dans les centres commerciaux, hein. Faut pas miser sur moi. On peut prendre par voilà. Bah, bon, puis, comme d'hab, on y va en l'honneur, hein. On n'a pas de supporters, mais c'est pas grave. Bah, comme d'habitude. Mais vous avez pas besoin de supporters, Papy a pas besoin de supporters, il y a une coupe. Titi, je sais pas ce qu'il lui reste, il lui reste l'honneur. Alors, moi j'étais pour tout le monde à la course d'avant. Alors à qui pense que Titi est dernier, du coup? Je miserais plutôt sur moi dernière parce que je vais passer du temps en personnalisation. Et donc voilà, moi je connais le jeu, c'est un jeu que j'adore, c'est mon jeu Pokémon préféré. Donc ça me donne un avantage, c'est que je connais le jeu. Mais si vous avez des questions sur le jeu, je vous l'ai déjà dit, n'hésitez surtout pas. Alors, me parlez pas de skin, vous m'avez pas vu sur certains jeux, Randy. Ce truc-là, il cause trop. Titi Kiné et Niwa Silipas pourront témoigner. Et encore, ils ont vu qu'une parcelle. Hein. Oh, on va passer tous les deux full temps dans le centre commercial. Alors non, parce que les vêtements des personnes, j'ai tendance à m'en foutre. Non, lui, il y a pas que les vêtements, les chapeaux, si je me souviens bien. Ah, moi, c'est les interfaces, par contre. Oui. Les logiciels, tout y passe. Hein. Les logiciels, les machins, tout y passe. Vraiment, c'est bon. Enfin, tout ce qui plaît. On y va? Du coup, sur ces joyeusetés, je propose qu'on y aille en effet. Et Titi, attends un petit peu avant de choisir, s'il te plaît, même si t'as vu une des spécificités du jeu, c'est qu'il y a des Pokémon assez originaux. Juste, on n'aura pas les Delta. Ah, on pourra en avoir, t'inquiète pas. Donc, la course va commencer. Je te laisse mettre nom, Titi, qu'on reparte tous avec 0. La course commence dans 3, 2, 1, c'est parti. Alors, moi, je vais prendre le petit Carapuce. L'office! Bonjour. Ah, ça sert à rien de donner des surnoms au passage, hein, vu qu'on les échange de toute manière. C'est pas faux. Putain, le Carapuce, il est trop stylé aussi. Bon, après, il faut aller dans votre partie en bas pour sélectionner le Pokémon, le déplacer et prendre l'œuf que vous voulez prendre à la place. Bonjour. Moi, j'ai un œuf qui s'appelle Uber Matériel, du coup, j'ai envie de le prendre. Moi, j'en ai vu un qui s'appelait Pinky. Pinky pas trop bien. Non, Punky, pardon. Ah. On reste dans la. Comment dire? On reste dans la. Vortex. Je vois que New a un peu... Il faut que j'augmente un peu la taille de New. Donc faut choisir l'œuf qu'on veut. Il y a plein de boîtes. Oui, faut choisir l'œuf. Il y a un œuf qui s'appelle String, je crois que j'ai envie de le prendre. Alors je règle juste un petit peu le visuel chez New. Voilà. Il y en a un qui s'appelle Deviantart, c'est que l'Orior, c'est sûr. Ah! Bon, bah... Skugodo, Atlantica... Uber Matériel, chez moi, c'est pas le Pokémon le plus fou au monde. Hein. Quoi? J'ai pris mon Pokémon. Il faut aller chercher ton Pokémon dans le parti et échanger après. Ah, pardon. Voilà. Un move. Il va prendre Grass Whistle, c'est pour endormir, ça peut être sympa. Moi, je fais ça et je mets je change pour l'œuf. Oh, j'ai Vampigraine. Trop bien. Oui, c'est ça, tu prends, tu fais move et t'échanges contre l'œuf que tu veux prendre. Alors, Uber Matériel, c'est pas ouf, hein, vraiment. Mais au secours! Tu peux cliquer sur B. Le truc qui te sert de B. Oh, joli papy, très bon Pokémon pour un début. Oui, il s'appelait Bruce Wayne, je me suis dit pourquoi pas. Ah oui, bah Bruce Wayne c'est un bon choix pour le coup. Je vois que du coup, tu peux mettre nom pour la différente Pokéball, ça change pas grand chose. But bizarre Delta, j'affronte. Yes. Je viens de me rendre compte que j'ai viré ma seule attaque, je suis un... Oh, t'as un Delta, il est trop beau, Black Rose. Vous pouvez mettre nom hein, pour la Pokéball. Changer. Ok, je vais me mettre une graine. Ah, je me suis pris un coup critique. C'est compliqué, moi, mon premier combat. En fait, je crois que pour une course, ça sera limite mieux de perdre. Là, donc. Voilà. Mon attaque baisse. Et oui, New, elle part avec un Delta direct. Ah, le dragon n'est pas un dragon. Intéressant, Titi.
Ouais, yes. Je crois que j'ai pas... Si, attends, si. C'est un Dismarving Voice, c'est... C'est une attaque de type fée. Oui, mais offensive ou... Oui, offensive. Oui. C'est Pokémon qui s'appelle Uber Matériel, quand même. C'est... One shot. Et j'ai gagné. Oui, et oui, Uber Matériel, qui est pourri comme Pokémon, mais c'est un détail. ouais, je suis un grand combattant, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Il est trop bien, mon Pokémon, wesh. Ouais, ton Pokémon est très sympa, j'avoue. Je sais même pas ce que c'est de base, hein, mais tant pis. C'est un Roserad, le petit. Un rose bouton, ouais. Je crois que c'est un rose bouton Delta de base. Bon, bah je me suis fait massacrer. Voilà. Ouais. J'ai galéré contre le premier aussi, hein, si jamais. Moi, ouais, c'est vrai, j'ai roulé dessus. Mais j'ai réussi à gagner, mais c'était compliqué. Oh, la sous-évolution de Manternel. Si vous parlez au gars qui est à côté du centre Pokémon, il vous donne des objets, je crois. Donc, cool. Je vous le dis, voilà. Anyway, you can. Niet. Pokémon. Ah, bah c'est... Merci. Ah oui, bah, tu peux très bien faire les courses acquises sur du Pokémon rouge, par exemple. Oui. Ah oui, il y a moyen de faire plein de choses pour le coup. Et oui, c'est un petit Budou, en effet, c'est bien le. Alors, comme tu vois, ces stats sont pas dégueulasses en général en plus. Hein. Et vous avez tous des objets aussi sur vos Pokémon. Shadow Dance. À côté du centre Pokémon, t'as dit? Où ça? Un gars à côté du centre Pokémon. Ah, non, il m'a rien donné, moi, du coup. Oui, il m'a donné 5 Pokéballs. Le gars qui est vraiment juste à la sortie du centre Pokémon. Oui, moi, il m'a rien donné. C'est pas le centre Pokémon. Ah, le centre Pokémon. Une gueule de Peter, toi. Ok, teubé sur 20, on commence. YOLO, le champion est mal barré. Mec à côté du centre Pokémon. Bonjour. Parce que clairement, moi, je compte pas garder mon Pokémon à vie, là. Ah bon, si je veux non plus. Bon, celui-là, je vais le garder, il est j'ai pas bien mal. Bien. D'ailleurs, dans les infos que je voulais vous donner, parce que c'est assez important, mine de rien, la première arène, et toutes les arènes d'ailleurs, mais la première arène n'est pas de type, n'a pas de type, c'est un thème. Et le thème de la première arène, c'est le thème du soleil. Donc, il y a des Pokémon de type feu, forcément, et aussi des Pokémon de type plante. Yes. Okay. Ça devrait le faire pour l'instant, je verrai plus tard si besoin est. Let's go, on est parti. Non, t'as pas autre chose, t'as pas de vêtements. Dégage alors, tu sers à rien. On va capturer le chenipan et on va essayer d'avoir un meilleur Pokémon hein, de notre côté. Ouais, pareil. T'avais un chenipan, toi? Oui, j'ai un chenipan en sauvage, là. Ah, yes. Et un Pokémon capturé, je vais essayer d'en capturer plusieurs, ça sera mieux. Faut aller au nord après. Ah, merci. Tout au nord, désolé. N'hésitez pas à insister, à m'interpeller quand vous posez des questions. Parce que j'essaie de suivre pas mal de choses en même temps. Donc n'hésitez pas. C'est à l'endroit où il y avait l'objet que t'arrivais pas à atteindre normalement. Dex. Bonjour. Est-ce que mon Pokémon est à niveau 9? Oui, complètement. Tu échanges contre un 9. Quand tu retournes, il faut retourner au centre Pokémon après pour échanger avec un 9, hein, je précise. Ah. C'était juste pour le premier Pokémon. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Ok. J'ai pas regardé les types de mon Pokémon. Ton type, il est ténèbre fée, je crois. Série. Oh merde, il prend x2 sur le fée. Oui. En effet. Et ton adversaire, il prenait x4 sur le fée. Il était ténèbre combat, le petit Carapuce. Mais rate pas tes attaques, toi. Ah, il est sorti. J'ai quoi pour c'est notre verre effectif, ok, je me casse. Par contre, Titi, si t'es sur le stream de Kiné, là, est-ce que tu vois ce que je vois chez Kiné? Il y a un pilote de Formule 1 qui est dans son adversaire. Oh mon dieu. Hein? Ah oui. Ça s'appelle Gatsby. Ouh, sympa l'attaque que t'apprends, toi. Viens là tout de suite. Knockoff? Ah oui. Surtout que toutes les attaques sont récentes, du coup, c'est le Knockoff avec 62 puissance. Et il faut savoir que les adversaires ont souvent des objets dans ce jeu. Bah parfait, ça. Vraiment le starter qui va clutch ici, hein. C'est... Allez, je capture un deuxième Pokémon, après ça va être plein d'œufs à la suite, ça va être marrant. Pareil. Je vais faire pareil, je pense. Parce que là, mon starter... Il est où le PC dans le truc? C'est le truc noir en bas, juste à côté. Ah. Ouais, c'est un grand truc noir le PC donc pour échanger Pokémon. Oh mon dieu, un ratentif sauvage!
Ah, je l'ai même. Moi, il est niveau 4, ça, davantage. Ah oui, bon. Et puis, vu que c'est des œufs, ça compte comme des Pokémon échangés, ils gagnent beaucoup plus XP. Hein. Oh. Ah merde, faut pas trop les développer, alors. C'est pas dramatique. Si compte comme des Pokémon échangés, le badge. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, le premier badge est assez tard, et du coup, on est à la limite de base du niveau. Donc, il faut... Faut faire gaffe, sinon il va te désobéir en mode nique ta mère. Allez, je vais en capturer un quatrième après, et je rentre à la base. Oui. D'ailleurs, quand on capture des Pokémon, on gagne de l'XP aussi, hein, au passage. Hein. Ça, c'est comme... Comme les dernières générations. Ouais, c'est ça, pour le coup. Et le principe de Delta Pokémon, ça peut vous faire penser aux Pokémon régionaux, là, les formes d'Alola, les formes de Galar. Mais il faut savoir que le jeu était sorti avant. Le fan game. C'est dans Move, c'est ça? Ouais, ok. Hop. Donc, on va capturer le Nidoran. Tu fus très utile pour le temps que ça a duré. Ah, les bleus n'ont plus de nom maintenant, c'est ça? Si, ils ont des noms, mais tu peux pas voir les noms quand t'as ton Pokémon. C'est le Pokémon que tu tiens, que tu vois. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Eh ben écoute, le premier... Oh, c'est quoi ton... En effet, j'ai jamais vu Titi's Pokémon. Hein? What? Oui. Il est trop bien. Allez, je prends celui-là au pif, je sais pas comment il s'appelle. Let's il s'appelle go. Nox. Un Azuril. Oh, Nox. Nox. Un Azuril. Azuril, bon courage pour le faire évoluer, par contre. Il évolue au bonheur. Oh. Et on est parti, ça éclate. Normalement, si l'œuf éclos chez toi, c'est le bonheur qui passe. Il est de base plus heureux. Ouais, wow, en effet. C'est quoi, ça? Wow, il est trop beau, c'est un Lanturne. Alors, il est incroyable. Je suis en train de capturer mon deuxième Pokémon pour avoir mon deuxième œuf. Il est incroyable, le Lanturne de papy. Wow. Ah, tu sais quoi, Gastly? Je voulais pas le capturer, oui, mais tout le monde tient des objets. Ouh. C'est possible d'avoir des Egg Move. Les IV sont toujours au maximum. Flash Fire. Wow. Il est feu spectre. Il y a des... il a l'air d'être cool, ton Pokémon. Par contre, il y a qu'étonnement en attaque, quoi. Donc, il va falloir que je sois prudent avec lui. Et ce n'est pas un Nuzlocke, hein, je précise. Je l'ai déjà fait en Nuzlocke, ce jeu. C'est hardcore. Bah écoute, oui, ça parle de tes blagues, Aki, puisque... Oh, bah j'ai qu'un Pokémon, hein, parce que j'ai déjà plus de Pokéball, et le Fantominus a refusé de rentrer dans sa Pokéball. Ah, dommage. Ah bah mon Pokémon n'a aucune attaque, mais au moins, il pouvait endormir et faire Vampigraine. Donc j'ai pu capturer tous les Pokémon que je croisais. Donc on est d'accord, là, je peux attraper 50 000 Nidorans et les trade contre 50 000 œufs. Oui. Regardez les œufs. Yes. Dylan. Lucius. Wesh. Ah. Alors ouais, je vais partir sur la boîte 7, j'aime bien ce numéro. On a quoi comme Pokémon? Murkos, et... Def, Toadstool. Allez, on va prendre Toadstool contre Chenipan numéro 1. Ouais. Et les autres, on les prend au pif, on verra bien ce que c'est. Super Sentai, pardon. Quoi? Oh, attends, oh, j'ai un Oui aussi. Oh, au secours, je suis... Dwemer. Ok. Mais comment je... J'ai, sans faire exprès, pris un œuf et... Au secours, qu'est-ce que je fais? Je suis bloqué, en fait. Quoi? Comment ça, t'es bloqué? J'ai pris un œuf et j'arrive pas à enlever le Pokémon que j'ai dans ma partie, dans le truc. Tu peux pas le reposer? Tu peux pas quitter? Là, tu tiens un œuf, c'est bon. Deposit, you can't deposit the last Pokémon. Ok, fais voir ce que t'as dans... Quitte. Non, putain, qu'est-ce qu'il me fait? Jeu de merde. T'as quoi dans tes Pokémon? Attends, si je fais... Si je switch avec l'œuf... Parce que justement, je voulais enlever le Egg Token. Est-ce que je... Oh, j'en ai un qui s'appelle Cœur. Je peux pas le déposer! Et on va mettre lui ici. Et j'ai Tchernobyl! Oh, tu peux pas le déposer, le dernier? Je peux pas le déposer. Et si je fais withdraw? Which one will you take? Et. J'ai c'est rien. C'est move qu'il faudrait que j'avoue, je fasse. Moi je vois pas ce que je vois pas. J'ai rien quand tu m'es parti. Du coup. Et oui, which one will you take? Attendez, on peut faire pause juste le temps de. Enfin. Attends, voilà, on arrête là. Posez les claviers, posez tous les claviers. Quoi? Attends, quoi? Faker! Qu'est-ce qui s'est passé?
du coup. Faker, ouais. J'ai un œuf qui s'appelle Faker, mais moi, je peux pas. Est-ce que tu peux le relâcher, withdraw ou quelque chose d'autre? Justement, j'essaye de faire withdraw et autres, ça marche pas. Il me dit que je ne peux pas avec le dernier, par exemple, deposit. Ouais. Je veux faire move, mais. Et si tu prends un œuf là, tu peux ou pas? Ça fait quoi si tu cliques sur un. Ah putain, fallait faire move! J'en ai marre! C'est... Ouais, bon, du coup, c'est bon. Fallait faire move! Ok, on peut reprendre. On peut reprendre, oui, en effet. Alors, Noi. J'ai un message d'erreur! Quand ça, t'as un message d'erreur? Script interline 227. J'ai plus de. Ok. Ah bah le jeu, il a fermé! On refait pause, du coup. Titi, on arrête tout. Je relance le jeu. Je relance le jeu. J'ai perdu. Bon, donc moi, j'ai mon petit Noi qui a... Vu que c'est un fan game, les instabilités sont peut-être plus notées. Est-ce que t'as sauvegardé un moment, New? Je sais plus. Déjà, relance le jeu parce que t'auras peut-être un message d'erreur pour te dire de reprendre. Ça arrive des fois. En effet, le stream revient. Oh non, faut que je refasse les contrôles. Ah. Attends. Ah non, c'est bon. Pokémon Lab. Ah. Ah, bah on attend New, on lui laisse revenir un tout petit peu. Elle s'est retrouvée au centre Pokémon, du coup. Enfin, au centre, au choix du starter. Ok. Ah, oui, donc il y a un peu de retard. On fait quoi, du coup? Black Rose, on a dit. Parle-nous de ce que tu fais ce soir, papy. Le mec qui improvise totalement sur tout ce que j'ai déjà fait. On improvise comme on peut. Non, je sais pas trop. On est obligé de l'attendre un peu. Pour le coup, c'est un incident technique. Je sais pas ce qu'en pensent les gens. Mais c'est pas très très cool. Au pire, continuez. Sortez-vous les doigts du téléphone. S'il vous plaît. Donc on a... S'il vous plaît. L'avantage, c'est que je me souviens de quel Pokémon c'est en termes de nom. Coucou Ewoket, comment ça va? Coucou Ewoket. Alors, on est un peu bloqué actuellement. Donc, voilà, parce que Nuneco a eu un petit bug, donc on l'attend. Alors, au pire, vous continuez. Moi, ça me fait pas chier. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Les Pokémon qu'on a eu dans les œufs, est-ce qu'on peut les switch pour d'autres œufs? Non, 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 c'est que une fois que vous avez. Une fois qu'un œuf est clos, vous pouvez pas. Mais tu peux recapturer des Pokémon pour les rechanger après. Ça, y a pas de souci. Donc, en train de faire le combat tranquille, voilà. Ninja Turtle. Bon, du coup, ça, tu le défonces, hein, on l'avait vu. Le petit Carapuce Delta. Donc, juste, Ewoket, pour te présenter le jeu rapidement, on est sur Pokémon Insurgence, qui est un fan game. Et dans ce fangame-là, à chaque fois qu'on va capturer un Pokémon, on peut l'échanger contre un œuf et avoir un nouveau Pokémon. C'est ce que tu peux voir sur mon écran actuellement. Et il y a des Pokémon assez étranges, par exemple le Pokémon de Papy. Tiens, Papy, mets dans Pokémon et montre la description de ton Pokémon. Attends, hop. Hop. Ah, mais non, je sais qu'il est en bataille, merci. C'est Summery. Voilà. Voilà, lui, un petit... comment il s'appelle? J'ai perdu son nom. Lanturne. Un petit Lupio, le petit Lanturne, qui est de type Feu Spectre, et qui du coup doit avoir... L'Overlay a bugué ou... Non, l'Overlay, ça va. Ah, apparemment, il y a un délai avec Discord, apparemment. D'accord. Pourtant, moi, je regarde le retour sur Streamlabs, et je parle en fonction du retour sur Streamlabs. Donc c'est chelou. T'as pas de perte d'image, tu vois bien? Non, zéro perte d'image. Parfait. Au moins ça, c'est sûr. C'est toujours appréciable. Donc on laisse New aller capturer son premier... t'avais capturé un Pokémon, New? Oui, j'avais capturé un Pokémon. On te laisse aller capturer Je prends Faker, hein. On te laisse aller capturer ton premier Pokémon et puis après on relance sa partie. Ça te va? Du coup, je reviens, je vais juste remplir mes bouteilles d'eau. Va remplir ta bouteille d'eau, profites-en. C'est une bonne idée. Alors là, en Formule 1, on appelle ça la safety car, du coup. Alors, faut m'expliquer à moi, parce que je connais pas assez la Formule 1. En gros, c'est quand il y a un crash qui nécessite un nettoyage de la piste. T'as une voiture de sécurité qui sort pour éviter que tout le monde fonce comme des balles, et ça regroupe tout le peloton ensemble. D'accord.
Et quand, et quand la sécurité est posée, eh ben, tu peux aller directement après. Enfin, quand c'est posé, que les débris ont été enlevés, enfin, pour la plupart, les plus dangereux, etc., la voiture de sécurité rentre au stand, tout le monde repart. Ok, ok, ok. En rouge, là, vu que vous êtes à l'arrêt. Oui, 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 on peut dire ça aussi. Mais vu que New, elle, essaie de nous courir après, c'est plus un drapeau jaune, si tu vois ce que j'allais dire. Donc, New, t'as capturé ton premier Pokémon, c'est ça? On attend que Titi revienne et on y va. On va pas partir. T'as acquis qui essaie de strater pourtant en disant la boîte 5. La boîte 5, c'est noté. J'essaierai d'y penser. Donc, alors, ceci, c'est mouf que je fais. Oui, en effet, c'est mouf. Durant. Attends, il y a Juliette aussi. Hein. Ah, y a j'ai dit que je prenais mes cœurs. Oui, il faut par contre aller sur ton Pokémon Party et le déplacer après. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu un message d'erreur. Peut-être. Alors, Faker, il est là. Je crois que toi... Ah non, t'avais un Nox. Je sais pas si les Pokémon sont random par rapport au nom ou tout ça. Oh, j'ai vu aussi qu'il y a Super Sentai. Hein. Prochain Pokémon, c'est Super Sentai. Et du coup, Ewoket, désolé, mais on renomme pas les Pokémon, pour le coup. Et Titi. Dans nos cœurs, les Pokémon chats sont donc, des... Titi... Oui. Oh, le Faker. On va pouvoir y aller, du coup, Titi. Donc, 3, 2... Un, et ça reprend. Ah, j'arrive. Faker, vas-y. Ok, ça c'est pas mal comme Pokémon en vrai. Deuxième Pokémon, qu'est-ce que je vais avoir? Attention. Par contre, je vous cache pas que je vais pas garder Faker. Hein. Toadstool, ouhou, c'est un baignon. Oui, je peux comprendre. Je garderai pas non plus. Même s'il bouge assez vite par contre, donc ça c'est bien par contre. Alors ensuite, on a... Moi j'ai plein d'évolutions, plein d'œufs, plein d'éclosions à la suite. Waouh, il est trop bien mon Pokémon. J'ai un Terral, mais particulier, j'ai un Terral Delta. Ouf, wow. J'ai. On dirait une machine rouillée, ta truc là. C'est ça, il est incroyable. Attends, tu vois? Oh, c'est quoi ce machin? Ah mais il est incroyable pour le coup. Ah oui, bah tiens. Je pense que j'ai mon... Pas t'attaquer. Wouhou, je suis content. J'ai un œuf qui éclos. Ah non. Je veux pas un love disc. Et le dernier Pokémon, attention. Oh, Vertigo. Mais on dirait qu'il est shiny. C'est quoi ce Tchernobyl? Ce Tchernobyl. What? Mais regarde le Pokémon, c'est vraiment qui s'appelle Tchernobyl, pour le coup. Attends, j'arrive. Oui, des attaques, oui. What? C'est un Camerupt, ça, non? J'ai l'impression. Je vais avoir un Super Sentai niveau 5. Le Camerupt radioactif. Le Pokémon est plante roche, le... Comment il s'appelle? Le Terral. Yes. Plante roche. Et en effet, c'est bien un petit Camerupt de type poison. Avec les restes. Oh oui. Ok. Quoi ce machin? Donc un double edge, ok. Sludge. Fantominus, tu sais que tu fais chier. Ah mais en plus tu meurs. L'inutilité, c'est hein. C'est ça, ouais. Bon, je vais prendre mon Dwemer, en plus il est choice band donc il va faire beaucoup de dégâts. Comment je fais pour stocker un Pokémon alors que toutes les boîtes sont pleines? Toutes non. Ah, parfait. Box 21. Dégage-toi. Alors, Aki nous dit que s'il y a des gens qui sont intéressés, Rocket Leaf doit être gratuit à partir de mercredi. Oui, il est déjà même là, je crois, non? Oui. Allez, c'est bon, moi j'ai trouvé mon Pokémon, j'y vais, je fonce avec lui. J'ai Super Sentai! Mais ils sont passés aussi sur Epic, tout ça, tout ça. Moi j'ai mon Dwemer, il a l'air costaud ça comme ça tout. Ça embête bien un certain... streamer qu'on connaît tous. Eri. Monsieur Demi. Oui, ah, ça j'imagine. Oh, oh, Cisaiox. Super Sentai. Sécateur plutôt. Tu m'étonnes qu'il s'appelle comme ça. Ouah, ces dégâts. Oh, ouf. Ah, ces dégâts, je me suis pris aussi. Bon. Mon Pokémon est bien, mais il KO. Non. Oh. Et regarde ce qu'il a déjà. Bug Buzz, Counter, Defog et Razor Wind. Sympa.
Très très sympa pour le coup. Ton focus énergie là ? Non merci. Bon, Tchernobyl a l'air sympa comme tout. Casse-toi toi, je veux pas te voir. Dégage. Par contre là, je vais sauvegarder. Hop. Oui, n'hésitez pas à sauvegarder de temps en temps si vous avez peur. Hein. Pokédex 6 sur 9 quoi. Ah oui, Pokédex va très vite hein, vu qu'on... On capture des Pokémon et en plus on les échange, donc ça nous fait beaucoup plus de Pokémon. Comment je sais pas où il faut aller ensuite. Oui, Amidoran, viens là que je t'attrape toi, petit con. Je vais déposer les Pokémon qui m'intéressent pas. Ils sont chiants, hein, les Nidoran à capturer. Je crois que je suis passé à côté d'un dresseur en mode don't give a fuck. Hop, tac. En life. J'ai life orb en objet, j'ai... J'ai les restes et un life orb. J'ai restes, j'ai... le choice band. Le Toxicorb. Par contre, si je peux être mignon, reste dans ça, ta ball. Expert bet, on va lui laisser. Non, je vais pas le prendre, je pense. Hop. Je vais partir avec Tchernobyl et Dwemer, je pense que ça suffit pour le début. Ah non, pas trop, hein. Ouf. Ah. Nigelen, Dayo. Ça va, allez, t'inquiète pas, New. on va déposer Uber Matériel. Bon, par contre, faut aller où ? Ah. Et les Pokémon ouais, que je capture, si je capture des Pokémon, ça sera pour la prochaine. Pour la prochaine ville, hein, je pense. Hein. T'es où, New ? Pour me dire. Ah, bah là, t'es dans la grotte, donc il faut continuer. Ouais, attentif. Sûrement, c'est simple. C'est simple à capturer ou moins attentif ? Pour voir ça comme ça. Au niveau 7 ! J'ai quand même un œuf qui s'appelle .jpeg. Hein. Je sais, alors, si c'est celui auquel je pense, je crois savoir lequel c'est. Oui, moi aussi. Le tue pas. Voilà. Merde, il l'a tué. Oh, j'ai eu le petit crit par contre. Eh bah, tu sais quoi, je le tanque le .jpeg. Allez. Et j'ai bien tenté Faker et c'était un putain de manzai. Ça, j'avoue que c'est un troll par contre, Faker. Mais bonjour. Pour Titi, je pense savoir lequel c'est, je vais vérifier. Oh, un Pikachu sauvage. Ah, là, tu vas savoir. C'est pas un Pikachu. Oui, je regarde. Matchup. Oh, je vais te foutre. Ouais, c'est ça, c'est un... C'est un polygone. Et c'est grâce à ce jeu que Porygon 2 est mon Pokémon préféré. Hein. C'est grâce à l'insurgence. Et maintenant... Grâce à ce jeu qui s'appelle aussi .jpeg, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. J'ai adoré le surnom, du coup, maintenant, il s'appelle toujours .jpeg pour moi, ce Pokémon. Jodude. No. J'ai des potions. Oui, j'ai 7 potions, ça. Si tu veux savoir où il est, c'est dans la boîte 6. C'est le deuxième de la... On n'a pas les mêmes. Ah. On n'a pas les mêmes. Mince. Dommage pour toi. C'est quoi ces noms random ? Va falloir expliquer à Youoket. C'est pas un nom random en l'occurrence, c'est un Pokémon qui est informatique, donc un .jpeg c'est bien. Arandine, c'était toujours là. Faut que je vise dans quelle boîte pour le prochain Pokémon. Ça c'est bien par contre d'affronter un Kakuna pour l'expérience. Par contre je pourrais pas avoir sa réponse, merde. Je peux te dire si jamais il te répond, t'inquiète pas. Oui, merci. Hop, le petit Dwemer. Alors, Ewoket te disait le 8, donc à voir si tu fais confiance à Ewoket. À quelqu'un d'autre qui a Red Deal. C'est ça. Oh, quick attack. Sympa. Pas. Alors, qui te dit prends dans... Alors, à qui te dit de pas prendre dans la 5 parce que c'est pour moi. Ok, je prendrai dans la 5, j'ai un Pokémon à train. Titi, t'es pas au bon endroit. Pour l'aventure. Ah. Non, mais là, pour l'instant, je capture mes Pokémon, donc... Ok. C'est juste pour te dire, après, pour l'aventure, c'est à gauche quand tu sors. Par contre, j'ai pas d'escape pro. Dans la merde, je vais bientôt plus avoir d'attaque sur Black Rose. Je suis avec un... Merde, comment... Ah oui, c'est là. Je suis avec un Pokémon qui s'appelle donc... J'ai plus son nom français, Fop. Mm-hmm. Ah, j'ai capturé le... T'es avec... oui, je vois comment il s'appelle. Scorplan. Toxicorb. Quoi ? Il est à Toxicorb. Ah, mais... t'as un talent qui va avec ou...
Faut que je pense à l'enlever, c'est surtout ça. Oui, en effet, faut que tu penses à l'enlever. Un adulte. Vas-y, t'es quoi? Je vais te ténébrer la gueule et puis... Alors, à qui te dit qu'il espère que tu vas avoir un Magikarp avec une avec trempette, et c'est tout. Ouf, on va Black Rose et moi. Je vais éviter un Léviator qui n'aura pas que trempette, donc ailleurs, ça me va. Hein. Après, oui, entraîner jusqu'au niveau 20 dans une course, c'est pas forcément OP, on va dire, mais... Je cherche pas la victoire sur cette course. Ah, en tout cas, pour... Face à quelqu'un qui a retourné le jeu, je sais pas combien de fois, c'est pas worth. En tout cas, pour le moment, c'est New qui est première et dans la grotte, du coup. Oui, j'ai déjà un Pokémon qui est mort, d'ailleurs, mais... Enfin, qui est mort. Qui est KO. Tout de suite, qui est KO. Allez, j'ai pas regardé, je prends celui-là. J'ai pas revive. Ouais, bah Tchernobyl en avant. J'ai plus de Pokéball. Papy. Je suis dans la merde. Oui. Papy. J'ai l'ancien arbitre de la TWF, Doug. Ouais. Je suis dans la merde. Il est incroyable, ouais. Tchernobyl. Il est incroyable. J'ai vraiment pas une corde. Les fonds sonores made in Uneco. Jump suite Noat Purple. Ça c'était vêtements. Et puis bah, voilà ce qu'est Doug. C'est un topiqueur. Ah, Doug est un topiqueur, d'accord. What? Oui, de l'XP. Ouais. Dwemer qui monte au niveau 9. Tchernobyl qui monte au niveau 7. Broussel qui est niveau 14. Ah oui, niveau 14. Comme ça, au calme. Oui, je suis tombé sur un Roselia pour l'XP. Ah oui, je viens de l'affronter justement. Qui a sens Pokémon Center, c'est tout ce que j'ai à dire. Non. Ah, tu ressors. Oh, Doug. D'ailleurs, pourquoi Doug, ça je sais pas. Doug, Dig, Doug, Creuset. Ah bah oui, en effet. Doug, c'est pour, ça doit être pour Creuset, en effet. Ah non, au secours, il y a des Pokémon partout. Dig. Bonjour. Oh, bah Buto. Oui, mais... Ah. Au revoir. J'ai plus de Pokéball et... Si tu vas jusqu'au bout de la grotte, après, tu reviens automatiquement. Donc... Oui, mais j'ai plus rien, là. Ok. Ah, oh, mince. Moi, un Geodude. Un Geodude. Starly, hein. On va essayer. Quick attack, ça devrait pas me tuer, je suis rush. Oui, je crois que je vais m'auto-tuer. Ah, par contre, tu te calmes, hein. Augmenter ta vitesse, monsieur. Ah. Bonjour, je suis un dresseur. Tu passes devant moi alors que t'es déjà passé devant moi. Ok. Maintenant, je t'attaque. Bon, je vais retourner au centre Pokémon aussi. Non, mais t'inquiète, là, Defog, si je me souviens bien, c'est pas du offensif, donc on va devoir faire Razor Wind. Non, Defog, c'est pas offensif, Defog, ça permet d'enlever tout ce qui est piège de roc, pico et compagnie. Je suis face à un combat handicapé. Ah non, ça va, je crit. Combat handicapé tout de suite. Oh, un chenipan. Bah, vu que je retourne au centre Pokémon, je vais capturer quelques Pokémon avant d'arriver. Bah, moi j'ai plus de Pokéball. Ah ah. C'est pour ça que j'étais dégoûté, j'aurais pu avoir un Pokémon niveau 9. J'en ai acheté plein moi avant de partir. Faut que je le fasse. D'ailleurs, c'est juste qu'il y en a un qui voulait pas rentrer dans sa putain de Pokéball. Mais. Oui. Wangla. Ah. Oh, une Pokéball. Bonjour. Ah tiens, ce qui manque à New. Un dresseur. Je vois qu'il te troll en plus. C'est beau. Hein, le dresseur qui est en train de troller New, elle fait un grand tour pour l'éviter, il se retourne. Elle fait nope. Hello, welcome to the Pokémon Center. Boîte 5 et je prends ceux de la deuxième ligne. Ok, ça marche. Ah, je suis tombé sur le Roselia moi aussi. Ah, ça c'est de l'XP. On m'a pas répondu. En plus, moi j'ai une attaque poison XP gratuite. Tu m'as dit quelle boîte? Elle t'a dit boîte 8. Ok, merci. J'ai une attaque glace, mais le problème c'est que. Oui, toi t'as. Le problème c'est que t'as une attaque. Que lui, il y a une attaque sol qui le soigne. Bah, il a surtout Absorbe qui le soigne et qui me fait très très mal au passage. En effet. Ça a du sens en même temps. Hop. Oui. Mais... Ah, et Pokémon. Puis bien sûr, il me speed taille hein, parce que sinon c'est pas drôle. Oui. À moi le Pokémon niveau 9 en deuxième.
Allez, bon, moi je suis en capture 2 parce qu'après on va aller à la grotte, donc autant je capturerai des Pokémon là-bas. Il fait. J'ai vu un objet. Il y a un objet. Ouais, il y a un objet. Mmh. Des fois, il y a des objets qui sont bien cachés, hein. Mais il y en a plein d'objets. Non, pas niveau 4. Si je peux éviter de retourner jusqu'au centre Pokémon, je prends. Moi, j'ai pas le choix, je suis retourné au centre Pokémon. Moi, j'ai pas le choix non plus. Donc, je suis en train de changer de Pokémon et ça me... D'accord. Qu'est-ce qui se passe? On a dit boîte 5. Et deuxième ligne, je regarde pas le nom des Pokémon. En fait, boîte 8, moi, c'est ça. Si je mets mon Pokémon KO, je peux rien faire, il m'attaque. Yes. Oh. Alors, je tiens à dire que ça vient d'Aki, il m'a dit boîte 5, deuxième ligne. Le premier Pokémon, il s'appelle Easy. Oh, go! Ah, juste, je me suis trompé, j'ai pris première ligne. Bon, bah, ça sera Gigamèche. Yes. Bah, bravo, ça. Alors, Easy. Allez, Easy, allez. Ah, son Roselia de... Et oui, Quoi? C'est un métamorphe Delta. Un métamorphe Delta. Et donc, j'ai eu une confirmation qui naît. Oui. Le Vertigo, c'est bien un Pokémon Shiny. Oh, t'as un Shiny, toi? Oui. J'ai. Oh, mon Dieu. Nice. Oui, c'est... Yes. Il y a des attaques. Ah. T'inquiète pas, qui... c'était très drôle, c'est la première fois que je vois ce Pokémon. Je crois que c'est un métamorphe Delta. Oui, oh, le flic. Gigamèche, c'est sympa. Dude, was... Metslap, ok. Ah, bah, lui... Faut que j'arrive à retourner au centre. Regardez mon Pokémon, mon adversaire, bon, il m'a tué. Mais c'est un Pokémon qui est une rockstar, il fait du rock'n'roll. Oh. Il y a Proté, attends, hein. La scissorite. Quoi? La scissorite, c'est pas sa méga gemme? Hein? Non, en fait, le Super Sentai a un objet, la scissorite. Un scissorite, c'est pour faire vigueur méga Scissaiox. Mais à mon avis, t'auras pas le temps pendant la course. Je sais pas pourquoi. Oh non, mais... Attends. Je le prends. No way, je le prends. Je prends le Pokémon à le Easy. Car, Ewoket, quelle boîte, dis-moi tout. Dans quelle boîte je prends, vas-y. Moi, du coup, je fais cette aventure avec un métamorphe. Il y en a, je sais pas combien des boîtes de dispo. Donc, Oui, il y en a 20. Boîte, ok. Allez, boîte 6. On y va, j'ai encore pas regardé le nom des Pokémon. Exactement, j'ai eu un Pokémon, c'est une pierre, sauf qu'il est type normal. Je peux me faire suivre par une pierre, oh trop bien. Okay. Ensuite, celui-là, donc le niveau 8, on dégage... non. Ah, ah putain, j'ai une sorte de blob de pierre avec un gros sourire qui me suit. C'est incroyable. Okay. Je prends un Pokémon qui s'appelle Luna Lovegood. Ça, c'est ma dédicace à Rinsu. Oh! Un petit Pokémon Harry Potter, sympa. Poursuite! Je dis oui! Et par contre, quand t'as une équipe full et que tu captures d'autres Pokémon, ça se passe comment? Ils vont dans une boîte. Il y en a un qui s'appelle Arceus, je tente la première libre. Arceus, je sens le troll. Je sens le troll. Oui, moi aussi, mais c'est pour la blague, de toute façon. Eh, c'est un Magikarp. Non, un Knotor! Je verrais bien un Knotor, un petit bidouf. Attends, c'est pas les inscriptions là que je dois aller voir? Je sais pas. Non, c'est pas des inscriptions que tu dois voir, c'est tu dois avancer, c'est tout. Alors, mon premier œuf pète. Et mon premier œuf est un cerf frousse, yes. Ah, Rudolf, bah oui, Rudolf. Bien entendu que c'est un cerf. J'en savais rien, moi. C'est le pire niveau, donc... C'est Rudolf, c'est le cerf au nez rouge. Ah... Donc ensuite, c'est le Luna Lovegood. Qui est un Panda. Ouais, ça va bien aussi, je trouve. Luna Lovegood, pour le coup. C'est pas oufissime comme Pokémon, mais ça va bien. Je suis dans la grotte. Je suis aussi dans la grotte. Bonjour. Non. C'est ça, c'est le Reine du Père Noël. Rudolph. Non, y'a rien à faire après, avec c'est ça. C'est le celui que j'ai pris au hasard, si j'avais pas vu le nom. Arceus. C'est un putain de...
J'ai fait un peu, je vais te regarde l'objet qu'a ton putain de... J'ai pas de chance, 20 boîtes, 39 boîtes, j'aurais donc eu une chance sur 600 de tomber sur une pierre bleue avec un sourire. Exactement. Mais c'est trop bien. J'espère juste que je vais avoir une autre attaque sur mon Pokémon. Ah, là, vous venez que c'était pas efficace. Bête buzz. C'est bien gentil, mon Pokémon, mais j'ai au dude, je peux rien faire face. À lui, par exemple. Bête buzz. Allez, Tchernobyl, je crains le pire. On va faire la boîte... Boîte 12, dernière ligne, avant-dernier Pokémon, ça marche. Super Sentai. Oula, j'adore son nom. Oula. À une lettre près, c'était le fruit préféré d'Arendil. Oh, Anana. Ah, c'est incroyable. J'espère qu'il s'appelle pas difficulté. je suis face à un Rakayu qui se booste en défense. Oh putain, c'est chiant ça. Ouais, on sait que c'est pas beaucoup de choses pour taper un Rakayu, que lui, s'il y a une attaque sol, il me défonce tous mes Pokémon. Hein. Ouch. Mais je suis empoisonné, donc ça devrait aller. Je dois aller dans la grotte, hein, précisément. Le chemin est assez linéaire, normalement. Oui, attaque. Faut juste... Il y a une corde, une échelle à monter à fond. Ok. Mais voilà. Ouais, je suis rendu. J'ai déjà deux jeux d'autres de côté, donc pour les œufs, donc non. Allez. Toujours pas de nouvelle attaque. J'ai une seule attaque et c'est une attaque de type normal sur mon Pokémon. Déjà combat duo. Ouais. T'as un combat duo, oui, ça arrive de temps en temps. Aïe. J'ai un nouvel œuf qui. Qui est clos. Oh, un vrai dragon cette fois, attention. Oui. C'est quoi que t'as comme objet? T'arrives au scénario new. Wow. Ouais. Bonjour, okay. Nous sommes les leaders du culte. Choice bandeau, joli. J'ai eu la life orb surtout. Weakness policy. Oh. T'as eu trois beaux objets là, clairement. Putain, c'est un Spokane sauvage, ouais. Ouf. Vous me saoulez. Une fois que t'as ça, faudra que tu retournes dans la mairie à l'endroit où il y avait le jeune. Où il y avait ton gamin, que le rival que t'avais rencontré. Et accès à la grotte, c'est tout au nord de la zone. Ah, quand t'es dans la forêt, il faut monter tout au nord. Et après, t'as une petite grotte qui va arriver. Oh, le augure est arrivé il y a 5 secondes, il y a 5 minutes. J'ai des choses à faire. Il faudrait donner un point de style pour Kina avec sa pierre bleue qui rigole. Il faudrait donner un point à Titi pour avoir un shiny. En effet. Oh oui, donnez-moi un point. ouais, c'était move. Alors, on a dit what 8. Alors, les Pokémon Roche, c'est l'enfer pour moi, par contre, hein, vraiment. Oh. T'es dans le propre. J'ai tort. Ah oui, t'as tort, en effet. Rien que ça, un petit tort. Ça va être le premier prix. Putain, mais il y a Edward. Fireflower, oh destruction. Afrotauros, Sunsai. Ok, la boîte 8. Oh, Titania. La boîte 8, elle est géniale. L'été. Mais il y a que ça, le meilleur emblème. Ah, je poursuis. Lisa, d'accord. Bon, on a dit Thor. Je vais renvoyer Dwemer, je me prendrai peut-être moins. Parti. Je fais les comptes, alors Kiné 1 point, Titi 1 point, New à vérifier et Papy moins 3. Pourquoi de moins 3? Je sais pas, mais t'as moins 3 points. Bah non, je suis pas d'accord. Mais de quoi en fait Je sais pas, c'est à qui veut faire les comptes de points, mais comme dans tout dans sa vie, il est cassé. Je sais plus quel c'est, tu vois. Ah, j'ai pris Chocky, pas grave. Chocky, ok. Bah, j'ai bugué, je savais plus où était placé Sensei. J'ai 2 PV. Oh! Sensei, il était où? Putain, il est où? Sensei! Il est à côté! Un truc à côté, c'est triste. Putain! Je suis triste! Allez. Bon, moi, j'utilise mes potions, c'est pas grave. Merde! J'ai mis ce clic. Alors. Ah. Thor! Oh,
ou Thor est bien. Oh oui, Thor est sympa, un petit Aikid. Tu veux, je prendrai le prochain dans la boîte. Donc toi Titi, faut que c'est après encore, tu vas encore plus au nord. Tu vas encore plus au nord et tu trouveras normalement. Thundershock. Hop. J'arrive bientôt au scénario, il y a un objet ici. Oui, il y a une Pokéball, bien. Ouh, il est shiny. Il est pas shiny. Il est en bleu normalement. Hein. Il est d'état, je crois. Non, non, ça c'est shiny. D'accord. Ça c'est un Lixie. Oui, je sais que c'est un Lixie. Mais c'est vrai Lixie. On va vérifier son clip, vous aurez la réponse. Ah, je suis au scénario moi du coup. Oh, c'est une femelle en plus. Ah, la voilà la fameuse Grot. Électrique. Oui, oui, elle est shiny. Waouh. Bon, bah, nouveau point Life pour... Orb. Un shiny. Même quand je troll pas avec Jazzer, ça donne un truc troll. Mais j'espère pouvoir l'utiliser ton Pokémon, hein, vraiment. Save. Bah du coup, merci pour la boîte, Evoquette. Hein. Evoquette qui a donné la bonne boîte, en effet. Les cultistes, pour vous donner une information, c'est des cultistes de type O. Ils ont des ceux qu'on rencontre au début ont des Pokémon de type O. Oh, bah parfait, ça. Bonjour, Augur. Ah. J'ai le Pokémon parfait pour... Je suis le deuxième Augur. Je vais me soigner, peut-être. Ta mère. J'ai pas capturé de Pokémon, du coup. Non, j'ai pas capturé de Pokémon. Ok, mode Balek. J'ai pas envie de l'entendre causer. Ok. Oh, des cultistes. Ouais, je suis au même endroit que toi, New. Avec un tout petit peu de retard, mais au même endroit que toi. Et pour ça que tu... D'où les points sont à vérifier. Non, ils vont... Gna gna gna, you look your mind, gna gna gna. Ah. Par contre, moi, j'ai... Les cultistes. Quand même le starter parfait pour la grotte du début, quoi. Oui, ton starter est très bon pour la grotte du début, en effet. Oh, je suis déçu que Lixie ou Thor ne soit pas en premier. Je t'ai dit que c'était une équipe de type O, en plus. Oui. Allez, Chiki, moi, pardon. Par contre, je tombe sur une équipe de type O, je suis pas bien. Bah, la première équipe. La première team de gros rival, c'est truc de c'est type O. Les premiers team de méchantes. Il a pas d'attaque. Regardez mon écran. Je peux pas. J'ai pas envie de regarder quand je vois ce que je vois. C'est chelou dit comme ça, mais. What a girl. Il était en train de se... Papy est en train de se faire marcher ou mordre un truc dont j'ai pas envie de parler par un poisson plat. C'était très étrange. Putain, j'ai une Life Orb. Merde. Oh, le coup critique, oui. Oh, non, mais j'ai une Life Orb. Non, je... Empoisonné. J'ai une putain de Life Orb. Faut que j'enlève la Life Orb. Je déteste ce genre d'objet. Moi, j'aime bien. Plus 30% de dégâts, c'est sympa. Allez, niveau 12, apprends une attaque, s'il te plaît. Il est niveau 12, il a pris aucune attaque. Il y a toujours une seule attaque, mon Pokémon. Ils sont tous super mal. Faut que j'aille dans le centre Pokémon d'urgence. Okay, ben, je vais changer. Easy, faut que tu t'entraînes un peu, quand même, un moment. La grosse suivante. Ouais, je m'en doutais. Ce n'est pas très efficace. Il est du type. Allez, j'ai capturé 3 Pokémon de niveau 9, donc on va retourner tranquillement au... Il est type O. What? Boîte 19, on avait dit des bisous, Yoket. Bisous, bisous. Mais what? Pourquoi il passait type O? C'est trop bien, mais pourquoi? Allez, on va faire monter un peu de niveau le... Kiss, oui. Il est niveau 4, c'est normal qu'il se prenne beaucoup de dégâts pour le coup. Mais comme ça, il va s'entraîner un peu. Si j'arrive à tuer l'adversaire. Moi, je prononce le H alors qu'il n'y a pas de H. Allez, j'y crois. On va l'empoisonner. Bon. Je vois un Pokémon qui s'appelle Putréfaction, je vais prendre ce Pokémon. Moi, j'ai vu Sensei, hein, je veux Sensei. Ah, du coup, tu vas capturer un Pokémon et tu vas... Je veux Sensei, je veux voir ce que c'est. Je comprends. Sensei. Allez, Tchernobyl, je crois en toi. Là, il va s'entraîner, le petit... Le petit Easy va s'entraîner. Ok, Putréfaction, c'est le putois. Bon, moi, il porte bien son nom. Oui, c'est sûr. J'ai peur de prendre Destruction.
Vas-y, prends destruction, ça sera Pokémon avec que des attaques. Oh, il a sauté en premier, wesh. Que des attaques suicides. Ok, par contre, c'est quoi ces attaques de maladie là? Iron Tail, Play Rough et poursuite. Ah oui, c'est sympa comme attaque, en effet. Il manque une bonne attaque poison et c'est bon. Je vais mettre Poison Gas en attendant la place. Easy monte au niveau 5, Easy monte au niveau 6, Easy monte au niveau 7. Easy, le prochain, Deus. Le Deus. Oh, par contre, je vais garder qu'un Pokémon électrique, hein. Je vais garder Kotor. Du coup, désolé mon petit Lixi, mais... En plus, ça va, j'ai eu un Pokémon, bon, qui est ok tiers, mais surtout qui est très bon au niveau des attaques qu'il a eu. Oui. Regarde le nom de l'œuf que j'ai eu. Turpin. Turpin, oh Turpin. Merde. D'accord. C'est un je suis obligé de le prendre. D'ailleurs, ça va donner des points de la part de Haki, ça, vu que c'est l'arbitre officiel de l'Olympique Lyonnais. Hein, allô. En fait, on fait d'autres courses, et de l'autre côté, il y a Haki qui fait sa course à lui avec ses points à lui. Hein, j'ai pas pris le bon. Ah. Le mec, il prend un arbitre. J'ai pas pris le bon. Mince. Par contre, faut que je save. Parce que si ça rebug... T'as réussi à vaincre la team, New? Oui. Ouais, bah, du coup, on est en train de se bagarrer, on est au... je suis juste derrière toi. Ah. Bah là, je vais chercher des Pokémon. D'accord. Bon, bah moi, je vais continuer. Comme ça, je suis en avance. Ah. Alors toi, qu'est-ce que tu juste... as? Une info, si tu veux, t'as un Pokémon super, super sympa dans la première ville. Où? Qui est du même niveau que ton Pokémon le plus fort. Ouh, Sensei. C'est pour ça que je te dis, si tu veux attendre d'arriver à la première ville pour capturer un Pokémon. Ah, putain, je me suis pas... Elle est où la première ville par contre? Faut traverser la grotte, après t'as encore une zone à traverser, après t'arrives à la première ville. En grotte de mort. Ouais, j'aurais dû acheter des repousses. Oui. J'aurais tellement dû acheter des repousses. Un Fampi. Dumbo, bah oui. C'est logique pour le coup. Je sais pas à quel niveau j'apprends une attaque, mais oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir une autre attaque que ce que j'ai. Ah, attention, le Turpin. Utilisant la merde. Qui est clos. Et Rurinsu. Rurinsu. Ah, bah Turpin, c'est un chat. J'ai eu un œuf, l'œuf s'appelait Luna Lovegood, donc j'ai pensé à toi, je l'ai pris, et j'ai eu un Spinda. J'avoue que c'est pas ce à quoi tu m'attendais quand je prends. Ah, je vais avoir cette scène. Un Spinda pas shiny en plus. Mais en vrai, ça va plutôt bien, je trouve. Oh, un Aikid Delta. Nice. Je suppose qu'il est type roche, vu le look. Bah. La violent. Et vu le nom. Oh, en plus, t'as déjà appris une attaque. Alors, faut savoir que les Pokémon Delta n'ont pas forcément les mêmes stats. Hein. Par exemple, un Pokémon qui est d'habitude tape dans le spécial et qui est Delta peut devenir un physique. Je garde largement Elekid. Hein. Oui. D'ailleurs, faut que j'enlève le truc à Elekid là parce que j'aime pas son objet. Item. Il y a un truc là. Ah. Un Osselet. Oh, un Astico. Oh. Ouais. Alors petite info aussi si jamais, mais dans la route qui est après la grotte, on peut éviter pratiquement tous les dresseurs. Donc je vous préviens comme ça, si vous voulez faire attention, vous pourrez éviter tous les dresseurs pratiquement. Ok, alors c'est bon. Là cette fois-ci, je traverse la grotte et je vais jusqu'à la prochaine ville. Pareil, je suis parti pour le traversage de grotte. Mais t'as affronté la team, Titi? Non, pas encore. D'accord, donc tu vas affronter la team et après tu traverseras la grotte. Oui. Oh, Onyx. Un Onyx sauvage. Je l'avais pas encore vu, moi, de mon côté. Ah, je vois que chez Titi, ça me mord un peu pour le texte. Ouais, ça devrait moins mordre. Oh non, pauvre. Oh non. Voilà, je remodifie un peu le... Au fur et à mesure, je modifie Le overlay, parce que je l'ai fait un peu à va-vite. Je suis un peu dans la mouise hein, pour la première team. Ouais, avec un Pokémon de type sol, oui. Ce sera de base. Hein. Alors déjà, c'est super efficace, et l'autre, en plus, derrière, il me fait un critical hit. Aïe.
Allez. Là c'est le jeu. Non mais j'avais besoin de ça quoi. Oh. Tu vas avoir mal. Et toi t'as répondu oui monsieur, je vais avoir mal. Ouvrez-moi. Oh, j'escubonne de ces morts. Dumbo Eichard, c'est marrant. Allez, je suis à la prochaine route. Merde, il y en avance. Je suis à route 1. Je vais éviter les dresseurs pour le coup. Alors je vous ai dit, vous pouvez éviter tous les dresseurs de la route. Oui. Ok. Donc, ouais, c'est une info. Vous en faites ce que vous voulez. Oh, il y a une Super Bowl. Je vais prendre la Super Bowl. Wouhou. Et pour le Pokémon dont je vous ai parlé, qui est du même niveau que le vôtre, à tous les coups, c'est une question de hasard, mais en fait, quand vous cliquez sur la télévision, vous avez un message... Oh, ok. Vous avez un message qui apparaît, et si vous insistez sur la télévision, au moment où vous allez combattre un Pokémon qui sera toujours du niveau de votre Pokémon le plus fort. Mais il n'y a pas de télévision dans la première ville. Mais dans la plupart des maisons, après, il y en a. D'accord. Un peu de paix, c'est capturable. Oh, ça a changé. Oui, mais c'est capturable après. Tout ce qui est... Non, mais je veux dire, celui qui sort de la télé. Hein. Oui, oui, il est capturable totalement. D'accord. D'ailleurs, moi, je vais regarder la télévision, du coup. Bon, sensei, et voilà, je suis tombé sur le Pokémon sauvage. Parfait. Après, il est pas facile à capturer. Il est capturable, mais il est pas facile. Ok. Je crois que lui, je peux pas l'éviter. Si, on peut tous les éviter. Va tout droit, New. Ouais, bon, par contre, ça, j'y peux rien pour le Pokémon sauvage. Il est devenu d'un type autre. Il est type O, ok. Allez, le bute pas, le bute pas. Okay, on va essayer de lancer une boule. Pokémon. Ah, Papy qui est sorti aussi. Ouais. Là, par contre, je récupère un Pokémon niveau 11, si je le capte. Moi, je suis contre un Pokémon niveau 12 actuellement. Encore à la traîne, yes. En même temps, t'as pas eu de chance pour le starter. T'as pas trouvé de Pokémon qui correspond bien pour le moment. Ah, c'est surtout que j'ai toujours pas affronté la team, hein, donc bon. Oui, capturé. GG. Bazou. Izzy qui monte au niveau 8. Izzy qui monte au niveau 9 grâce à la capture. Juste tester le capturer maintenant. J'ai 10 lags. Ah, et super bon là. Je vais mettre Izzy en premier. Comme ça, il va continuer à monter un peu de niveau. Et on va prendre un deuxième œuf token. Normalement, on peut en prendre plusieurs. Donc, autant y aller. Je vais avoir deux œufs avec l'or. Mais ouais, je suis dans la maison et je clique sur la télé. Et ça me dit qu'il n'y a rien de bien à la télé. Donc, mais il faut insister. Et au bout d'un moment, il y a un Pokémon qui arrive. Et c'est toujours le même. Et c'est toujours un bon Pokémon. Et c'est toujours au niveau le plus haut. Donc, voilà, vous êtes au courant. Il est ajouté dans le Pokédex. Et normalement, Papy, dans la route où t'es, tu peux éviter tous les Pokémon. Hein. Certes, mais j'en affronte quand même, histoire de... Ouais, ouais, pas de soucis, je comprends. Moi, mon XP, ça va être compliqué, là, je suis pas très bon en XP. Lui, en faisant ça, ouais, c'est fait. Bon, un Pokémon sauvage sur la gueule. Oh j'adore ça, dans les zones de ce Pokémon, il y a des zones trop cool, je trouve. Alors, on va ramener Dwemer. Ouais, je peux pas le... Si, tu peux le passer, t'inquiète. Ah, c'est parce que j'étais juste tout près, d'accord. C'est ça, ça te met truc quand t'es à une case, normalement. Est-ce que mon starter arrive déjà niveau 18? Oui. Moi, mon Pokémon le plus haut est niveau 12, hein, je précise. Niveau 13. En même temps, j'ai un truc qui prend l'XP et qui fait tous les fights et qui fait le café. Bien sûr que ça va rester un moment sur le champ de bataille. Bah du coup, Papy, toi qui as ça, tu peux aller capturer le Pokémon que je t'ai dit dans la première maison. Tu vas aller à tes visions, tu fais le truc et tu vas avoir un Pokémon qui est fort et qui sera niveau 18 du coup. Ouais. Monsieur, t'es sur mon sécateur là. Voilà. Monsieur, t'es sur mon sécateur. Il passe au travers de mon insécateur, regarde! Oui, je vois ça, c'est mignon. Ils font un seul. J'arrive pas à le capturer, alors, ça me saoule. J'ai Sensei à récupérer. Move! Allez, s'il te plaît, capture-le, j'ai plus que 5 balls. Ouh! Les dégâts. Ok, il veut vraiment pas se capturer. Tu veux pas me le tuer au moins?
Le mec. Et du coup, on en a pas reparlé, mais ça, on dure jusqu'à quelle heure, du coup? Papy, ça, je t'avais demandé un moment, parce que c'était aussi par rapport à... de ce soir. J'aurais tendance à te dire... quelle heure il est, là? Ok, Oh! Parce que c'est vrai que, de mon côté, je vais avoir des trucs à setup pour être bien, donc... Je sais pas trop, en vrai, c'est... On fait là. Jusqu'à... 16h30, ça vous va? Parfait. Enfin, moi, ça me va, après, faut que ça aille aux autres aussi. Pas de totalement. Pas de... Ça me va. Donc, il reste une heure, quoi. Ouais, une heure. Et si jamais on est proche d'un objectif, je dirais le premier qui va à tel truc y arrive. Mais c'est si on est proche d'un objectif. Vu que je connais le jeu, je pourrais vous dire. Bon, moi, je reste bloqué sur mon... T'as Gandalf? J'ai Gandalf! Move! Non, ne passerait pas. Bon, par contre, ce serait bien que tu sortes de la télé, monsieur. Ça Allez. Peut prendre du temps, des fois, mais ça va venir. Allez. Alors déjà, capturé. On va voir comment on essaye. C'était compliqué. J'ai d'autres tokens à remplacer. Métronome. Bah oui, vas-y. Easy, apprends métronome. Oh nul. Sensei, il est pas marrant. Ah! Oh, ça c'est fort. Ça sera pas utile. Mon Ezi, il y a une attaque qui s'appelle Rétrograde qui permet de transformer le Pokémon adverse. Si c'était une méga évolution, il lui rendre sa forme normale. Ah, ça y est. Tu veux voir le cas de Gandalf? Ah, yes. Ah, je t'ai dit, ça, c'est un Pokémon qui est assez fort. Hein. Vous ne passerez pas. Ah oui, vous ne passerez pas, d'accord. T'en fais une attaque, c'est quoi déjà? Oups. Ah, forcément, Arendi qui est de retour quand il entend Gandalf. Forcément, re-Arendil. Alors, The User. Oh oui, il fait une attaque, c'est oui. Et re-Rinsu du coup. Ça fait un beau bout de temps, mais c'est pas grave. Boîte 12. Du coup. Boîte 12 avant-dernier Pokémon, on a dit qu'on mettait l'Act Token. Alors Sensei, c'est pas contre toi, mais je te veux pas de toi. Hein. Voilà, et deuxième Pokémon. Alors, mon Pokémon s'appelle Current, et du coup je vais prendre le dernier Pokémon de la dernière boîte. Déposite. Je dis que j'enlevais Sensei. Store. Qui s'appelle Tricky. Oh, ça va être une Trick Room. Voilà, hein, le Pokémon Dévastation, c'est un Canartichaud. Yes. Canartichaud, c'est... Dévastation, Canartichaud. Bah, apparemment. Ouais, c'est quoi ce Pokémon? Il y a un bon talent pour trouver des Pokémon originaux, hein, Kyo. C'est une couille. C'est... Faut la donner. Série. Non, j'ai attrapé Rotom. Alors, tu m'as dit la première maison, c'est celle-là, hein. En fait, c'est un Eggdog Rinsu, et du coup, on a plein d'œufs. Quoi? C'est quoi ce Pokémon? Il est trop bien! J'ai que des... Ils sont voix de fuck, mes Pokémon. Super Sentai! Oui, je suis sûr. Allez hop. C'est Tiff, bien, hein, c'est très bien. Et du coup, c'est un Eggdog, et on a plein de Pokémon dans le PC qui sont transformés en œufs. On choisit les œufs qu'on veut à chaque fois qu'on prend un Pokémon. Ah, les oufs, il est type électrique, c'est logique, ça ressemble à une... Leftover lumière. Minus. Oh, trop... Oh, Minus. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas été voir. Bah, flash. Ah, par contre, il est nul. Rinsu, est-ce que tu peux me donner un chiffre entre 1 et 20, s'il te plaît? Comme ça, je change le Rotom à cet endroit. Arrondis, il faut que tu es là, le prochain Pokémon que je capture, quelle boîte? Soit ça dégage très vite, parce que je m'en servirai jamais. Alors lui, je le garde. Lui, je garde, c'est obligatoire. Le Tricky, je garde. Ouais, putain, mais la boîte 8... les boîtes 8, on le vend en poupe aujourd'hui. Je vais essayer de mettre devant... Et je vais... une fois que vous êtes dans la ville, le prochain endroit, c'est... une grotte qui est au nord de la ville. Si on répond, hein, parce que faut... Non, c'est qu'un rat. Allez, je prends Agendas. Oh, il y a un monde glace. Ouais, je pense savoir ce que ça va être, du coup. Et là, c'est un Kyurem. What? J'ai jamais vu de légendaire, il me semble, dedans. Je sais pas si c'est possible. Mais je sais pas. Putain
la boîte 2 pour Nico de la part d'un Andy. Pourquoi une cloche? Du coup, j'ai pas entendu. La boîte 2. Ok. C'est ça, c'est exactement ce que je pensais. Ouais, là c'était logique, pour le coup. Mais rentre dedans, bordel! Alors. Oh, mais ils ont changé visuellement, c'est trop beau ce qu'ils ont fait. Oh, Gandalf, il est tellement bien contre les Rotom en vrai. Ah, tu m'étonnes, Gandalf. J'ai vu Gandalf, j'ai faim moi. Alors, je vais prendre Tricky, hein. il est pas mal. Le prochain Pokémon épique, c'est boîte 13 de 13ème. Ok, mais je suis pas sûr de capturer un Pokémon là pour le coup. Je vais le frapper, hein. Allez, Tricky, je crois en toi. Ok. Dedans. Attends, c'est Pokémon. Je crois que je suis totalement sous level, moi. Ah, je suis Chaskaf. Ok. Je vais partir. Il me reste deux Pokéballs, le Rotom veut pas rentrer. Quel dommage. Ah. C'est triste, en effet. Mais putain! Allez, attaque métronome. On y croit. Ouais. Merci pour ta CT inutile, mec. Tout là. Bon, bah, dernière Pokéball, hein. Et je le détruis. Ok. On continue avec les métronomes. Head smash! Oh, mais regardez, je suis devenu marron! Oui. Oh, c'est trop bien, j'ai un caillou qui est devenu marron! Il change en fonction de du type qu'il a, c'est trop marrant! Putain, Super Sentai gagne de l'XP! Je oui! Quoi? Je suis devenu Dark, oh mon dieu! J'ai un caillou Dark! Mon dieu, que tu es Dark! Ah! Par contre, il y a une Super Ball par là. Non mais Noé, je fais l'aventure avec Izzy, c'est pas possible. C'est pas possible autrement. J'ai un putain de blob avec moi! Le caillou, il est incroyable! Il y a métronome et protéin! Qu'est-ce que tu veux faire de mieux qu'un métronome protéin? Stockpile, ok. Donc on a dit boîte 2. Faut que tu montes après. Le premier œuf de la boîte 6, il a un nom incroyable. Guillotine, ah! T'en es où, Titi? T'as tué la team là? Faut que tu sortes de cette grotte? Ça te sort automatiquement de la grotte quand t'as tué la team. Quand t'as rencontré la team. Non mais Je veux dire, il l'a tué, tu sais, dans la ville, quoi. Oui, t'en es où, du coup? Non? Bah, faut que tu continues à monter, du coup. Ferdinand! Newhead, super heureuse avec ça, c'est trop bien. Attends, j'ai pas retenu, what the Ferdi? Reviens, Ferdinand! Ok, c'est troisième ligne tout au bout. Ah, mais il est trop bien, le caillou Rinsu! J'ai un caillou qui change de couleur au fur et à mesure qu'il fait des attaques. Bah yes. Mais attends, comment t'as l'air, Titi? Hein? T'as pas affronté la team, on est d'accord, hein? Non. C'est... chelou. Il a cassé le jeu. Essaye de sortir, voir si ça marche quand même. Oui. Non, ça marche pas, j'ai essayé. Bah, on pose là. Ah, est-ce que t'as parlé... T'as bien parlé aux parents dans la ville pour aller dans la grotte récupérer une pierre. Ferdinand, c'est un Nidoran. Ouais. Poison Sting, oui. Alors, oui. Head Smash. Oh, je garde. Il s'est suicidé, mon Pokémon. Non. Il s'est suicidé. Quel dommage. Oh, Ferdinand, c'est un super petit Nidoran. Ferdinand Von Hayer, là. C'est-à-dire qu'il se prend pour le King, après, quand même. Eh. Moi, je dis oui. Merci pour la boîte, Arandil. Ton caillou est transparent quand il est mort. Mais oui. Mais c'est triste. Mon caillou qui meurt. Ex. Oh, ex. Trop bien. Et donc Pokémon, il devient fort aussi. Ah, Karatrok. Expert Belt. Oh, okay. Ça améliore les attaques super efficaces, il me semble. Oh. Vivality. Ok, Tchernobyl, il va être costaud, je pense.
va falloir que j'augmente le niveau de pro. Ah oui, les dégâts. Oui. Il me faut des Pokéballs, s'il vous plaît. Ah, il a retiré son Pokémon, il y en a un autre. Il y a Chikorita. Faut que je ressorte de la grotte, c'est ça ? Je pense, ouais. Désolé, Titi. Faut vraiment pas que t'hésites à demander si tu te sens perdu. Hein. C'est où l'Epex ? C'est où l'Epex ? Le premier. Oh non, il y a synthèse adversaire. Ah oui, je l'ai empoisonné, c'est pas le plus grave, on va dire. Ah bah yes, puis en plus, je peux même pas masquer. Oui, Topika peut avoir le talent qui emprisonne. Essaie de non, bah du coup sort, oui. Putain, j'ai un Chikorita qui se soigne en face de moi. L'enfer. Bah parfait, hop là, knock off sur ta gueule, tu vas faire moi le malin, voilà. Et il rechange de Pokémon, mais non. Il va se re-soigner en arrivant, je suppose. Ah ! Niveau 10. Ponyta. Non, mais je sais plus par où on sort. C'est tout en bas pour descendre au départ. Oh, coup critique. Ouf, j'ai eu de la chance. Le combat contre Chikorita qui dure des plombes. Oh, Ice Punch, ça va rien faire. Pourquoi j'ai fait Ice Punch ? Pour le capturer ? Oh yes ! J'ai le axe. Ah, tu l'as. Ouais. Ah, il est paralysé, ok. Ok, ok. Est-ce que je prends le mini pour avoir un niveau 9 ou est-ce que je tente le 11 comme j'ai pu voir J'avais un repousse, j'étais bien, maintenant je suis dans une. Ouais, et repousse c'est super important dans ce jeu. D'ailleurs, oui, je vais aller en acheter. Dans ces punaises de grotte. Oui, on est d'accord. On sent Titi qui se s'auto-censure. C'est punaise de grotte. Ah, c'est punaise. Alors, repelle. Combien vous en voulez ? 13. Oui, c'est parfait, merci. Hop. Use. Quoi ? Quoi ? Comment ça, je prends trop de rappels ? De repousse, d'ailleurs, en français, parce que rappel, c'est autre chose. Mais oui, j'en prends trop. Non, j'en prends plus d'assez. Est-ce que mon starter est un petit peu niveau 20 ? Ah oui. Faut pas trop l'utiliser. Hein ? Ah, parfait, niveau 11. Est-ce que dans cette insurgence, ils peuvent être paralysés, les électriques ? Non. Merde. Quel dommage. Oh, il est gelé ! Petite info aussi, si vous avez des attaques de type combat, par exemple, ça casse les rochers. Il n'y a pas besoin d'avoir casse-briques. Toutes les attaques combat cassent les rochers. Ok. Ok, nice. Oh, putain, c'est plutôt comment dire, réaliste. Oui, on est d'accord. Je suis trap dans le vortex. Non, allez, vas-y, easy. Je crois en toi. Moi, mon combat, c'est easy. Hein. Electro Ball. Il s'est transformé. Il devient de type électrique. Elle est trop belle, l'animation d'Electro Ball. Je fais zéro dégâts, mais elle est trop belle. Allez. Je change de type à chaque tour, moi, c'est incroyable. Hein. Je viens de type normal. Hydrocanon ! Mais oui ! Vas-y, easy ! Oui. Pokéball. Tu m'as pris le meilleur Pokémon Aki, hein, vraiment. Bon, maintenant j'ai un Ectoken à échanger contre un œuf. Ah, je redeviens de type Dark. Ah non, Water, je vais rechanger. Ok. Parfait. Bon pour vous, mais je sais pas quelle boîte taper hein, pour ce Ectoken là. Je dirais que c'est la boîte 15 pour toi, New. Ok. Mais non, non, je voulais pas mettre le PC maintenant, je voulais sauvegarder. Moi non plus, je sais pas quelle boîte. Toi, Titi, c'est la boîte 6. Ah, bien sûr. Quoi ? Ah ! C'était trop loin. J'étais à la boîte 12. Désolé. Là, t'entends Kiné qui a gagné 5 secondes et que dans sa tête, il se dit... Je suis pas vraiment comme ça de base. Il y a du rhum. Eh papy, franchement, je suis obligé de le tenter. De tenter qui ? Attends, je vois pas.
Rhodes, Cody Rhodes. Je suis obligé de le tenter. Izzy va mourir, je sais pas combien de fois, c'est un peu un souci. Master. Bah, go Rhodes, hein. Hey, Tchernobyl, je crois en toi. Yo. Hotfire. Tchernobyl. Oh, Flabébé, bébé chez papy. Hogfather, BFF. Ah, il y a My Name is Earl. Selenada, Oliver. Alors, en nom marrant, j'ai Athéna. Il y a Your Mom. Your Mom. Ça sent bien le Pokémon. Si le Crustrebri, le truc comme ça, ça va être génial. On va pour Your Mom. Vas-y, prends Your Mom. Yes. Ok, donc c'est deuxième ligne, le premier. Donc Your Mom sera niveau 11. Move. Shift. Pourquoi au moment d'affronter une team O, je ne chope que des types roches? C'est un type sol, mais c'est pas beaucoup mieux, mais c'est un type sol, pas roche. Oui, ouais. Allez, quel Pokémon est Your Mom? Crustabri, enfin le petit du coup, mais... Coquillasse. Coquillasse. Non, attends. Moi je dirais Lotaria. Pourquoi? C'est une baleine. Your Mom est une baleine. Ah bah oui, bah ça m'étonne pas aussi. C'est génial. Et c'est une baleine bien salée, c'est très très bien. Yes. Quoi comme move d'ailleurs? Your Mom is Curse the way. Quoi? Trash. Curse, fissure, trash, Zenithbot. Oh, ils se sont abusés. C'est incroyable. Yes. J'adore ce jeu. Je vous ai déjà dit. Water Gun. Alors je dis oui. Alors qu'est-ce que je fais? Oh. Ouais, il se ressort de la deuxième grotte. Alors je vais pas garder fissure. Hein. J'ai pas envie d'avoir des OHKO. Il est très très bien mon Tchernobyl. Je suis très content d'avoir Tchernobyl avec moi. Rollout. Ah non, c'est pas sorti. Ah. Hop. Je sais plus ce que c'est Rollout. Rollout, c'est roulade, ça fait une attaque de plus en plus puissante. Ça commence à 30 et puis après, ça c'est l'attaque de. Quand ça s'appelle des crémeux. Ouais, ouais. Donc c'est très puissant, mais ça peut rater de temps en temps. Donc quand t'as. Je vais enlever trash pour mettre Rollout. Ok. Parce que trash, c'est certes puissant, mais j'aime pas. Je peux comprendre. Mais t'as que des attaques qui. Ça te bloque aussi sur une attaque, hein, du coup. Alors, le petit Tchernobyl, Venoshock, Poison Gaz. Tiens, j'ai une femelle en plus. C'est obligatoire, ça, par contre. Oui, tu vois, ça aurait été un peu particulier. Your Mom est un mâle. Je veux pas dire, mais j'ai une belle équipe, là. Oui, aussi. J'ai une superbe équipe. J'avoue, Super Sentai, Gandalf, Your Mom, Black Rose, Thor et Ferdinand. Mais d'où y avait ici l'adversaire? D'accord. Hop, 402 d'XP, Tchernobyl. Heureusement que j'ai monté Agni pour... Par contre, je sais pas où je dois aller maintenant. Pour faire quelque chose ou pas. Au nord de la ville, à droite... à gauche. Au nord de la ville, à gauche, tu as une grotte. Oh. Gauche. Je suis bien à gauche. Ah oh, bah tiens, il y a une statue con. si on arrive jusque là, tu verras, il y a une statue plus grande à un moment. Ah, bonjour. Il n'y a pas un centre commercial? À la ville, si. Évidemment. Oui. Et à droite, du coup. Ah. De l'autre côté où il faut. La grotte, il faut juste parler à la dame tout au fond, après on ressort. Tout au fond, côté. Ouais, c'est ça. Okay, et après, il faudra aller dans le bâtiment qui est à côté de la grotte. Mais il n'y a pas centre commercial? C'est centre commercial, c'est à l'intérieur du centre Pokémon. Ah! C'est tout réuni. T'as un monsieur, quelqu'un qui est à côté du centre, qui, enfin une dame qui est aussi derrière le comptoir, qui te vend des trucs. Oh, c'est cette dame. Voilà, c'est cette dame. Bonjour madame. Bah non, elle a rien. Attends. Elle vend pas encore de vêtements. Je sais plus. Je sais plus quelle boîte on avait dit pour le Pokémon que j'ai. Attends, j'ai pas d'argent. t'as dit quoi, Titi Papy? J'ai pas entendu. Je sais plus quelle boîte on m'avait dit pour le Pokémon que j'ai attrapé, ça fait tellement de temps que je suis dans cette boîte de morse.
Qui veut donner un nom pour Papy, un nom beau, au pire. Un nouveau. La boîte 4. Allez, va pour la 4. Mais il est trop fort, Tchernobyl. Faut juste que j'aille voir avant. Vu à quel point je suis en retard, je peux donner les boîtes pour les gens. Ah bon, Titi, je me sens obligé. Je vois un autre catcheur. Ah. Brian. Daniel Bryan. Where is Brian? Oh non. Oh non, mais tu vois que c'est... Oh, Brian is in the egg. Ferme-la. Juste à côté de cet endroit, Newt a une grotte et c'est la prochaine étape. Ok. Un magnéti... Ah putain, mais non pas. Ah, non, oh, c'est pour adresseur. Il y a un Fampi. Okay. Oui, il y a un Fampi. Oui, il est trop mignon, le Fampi. J'ai vu qu'il y avait un objet. Tricky. Eh, viens, Tricky, je crois en toi. Quand est-ce que l'autre vend des fringues, par contre, s'il vous plaît. Et du coup, ça a été quoi, ton Brian? Attends, je suis en train de poser mon spin dag. Mon spin dag, je veux pas lui. Au moins, il pourra level up. Pinda, je vois pas comment faire. Est-ce que... Ah, oh, ça va, je vais pouvoir pex. Oui, j'ai pris de magnétie. Oui. Thundershot. Ok, bah il m'a tué en retour, mais ça c'est un détail. Alors là, on vient d'entendre Francky Vincent. Oui. J'étais surpris que personne n'ait souligné ça déjà avant. Allez, que Daniel Bryan sorte de son œuf. Elle nous révèle sa splendeur. Ah, ok. Oh, Bryan, c'est le GOAT. Bah, en plus, ça va bien. Hein. Vu que c'est en plus une plante. Thundershot. C'est quoi? C'est le GOAT végétarien. Oh merde. Bah, le GOAT vegan, c'est parfait. Allez, où? Ça va bien avec Bryan. Hein. I'm Ferdinand von Heyer. oui, bah jure, toi, c'est Ferdinand. je regrette pas d'avoir fait ça juste pour du côté des œufs, c'est trop bien. Ouais, putain, mais j'ai Ferdi, quoi. Poison... Allez, Poison Steam. Bon, je crois qu'à part Tchernobyl, j'ai pas grand monde dans mon équipe actuellement. La Tcherno-dépendance, ici. Ouais, un peu. Let's smash. Je précise, dans le tournoi, on gagne pas d'XP, il me semble, donc vous pouvez mettre votre plus fort, hein, tout simplement. Dans ah, c'est Ferdinand après. Et... Ok. Et Black Rose. Parce que Papy, ouais. Toi, tu vas bientôt aller au tournoi, je pense. Ouais, là, j'y vais, ouais, je monte. On est obligé de gagner le tournoi, ou... Je crois, je suis pas sûr. Ça peut être une stratégie pour aller plus vite de le perdre. Ouais, mais franchement, j'ai pas envie de le faire. On est obligé de le faire, par contre. Ouais, donc je vais le perdre. Je sais pas, j'ai jamais perdu, donc je peux pas te dire ce que ça fait. Moi, j'ai mis un Pokémon, oh, je m'en fous, je peux le tuer. Allez. Ouh, les dégâts qu'il m'a fait. Bah écoute, on va sacrifier. Et ouais, je joue une baisse ma spéciale attaque là, fils de pute. Alors, New qui elle. Il s'en fout. Pardon. Ah, non, t'inquiète pas, c'est drôle. C'est pas très personnel lui, mais ça va. Ouh, ouais. Je vais le... Non, bon, ça, bah, si Kiné, ta chaîne est ban, tu sais à cause de qui, hein. Pardon. Pardon. T'inquiète pas. Ça devrait aller de... T'as juste donné une excuse à Arendil pour dire... Écoutez, faut bannir Kiné, mais à part ça, ça va. Non. On banne pas ta chaîne. Gandalf. Allez, j'arrive à la... J'arrive à la femme. Enfin pour pouvoir passer cette grotte, oui. Et Papy, je sais pas si t'as vu, mais tous les fossiles qu'elle réanime. Mon bébé. Oui. Tu peux les prendre après. Ils sont sur le sol, tu peux les récupérer. Ah merde, je l'ai pas fait. Après, tu peux pas les réanimer tout de suite, hein, donc t'as juste gagné du temps en les prenant pas. Ah. En gros, c'est bien si tu comptes continuer l'aventure, quoi. C'est ça, dans une course, c'est pas utile. Mais tu peux. Moi, franchement, je pense que je la continuerai juste pour me permettre de faire éclore tous les œufs.
Tous les œufs. Oh, oui. Oh putain, tu sais combien il y en a, un, deux? Il y en a 21 boîtes, je crois. Il y a 20 boîtes. Il y a 30 Pokémon par boîte. Challenge accepted. Oh, une escape rope. Oui, 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 et c'est utile, l'escape rope, spoiler alert, c'est très utile. Oui. Parce que tu vas tout au fond de la grotte, et après tu dois te débrouiller pour retourner en arrière, hein, donc c'est très très pratique. Shame on you, toi, niveau 15, t'es pas mis au niveau 7, t'es même pas dit t'as un Pokémon. Rentre chez toi avant que je me fâche. Ok, papy, voilà, qui est vénère. Je suis enfin sorti. Oh non, il m'a confus dans la forêt. Ah voilà. Allez. Viens, bébé. Bah viens. Izzy est de retour. Elle est tort. Putain, si je chope... S'il y a un Loki dans les boîtes... je prends Loki. Eh, je vais au tournoi avec... Alors moi, j'y vais en mode Luolo avec un Pokémon qui a juste Métronome, hein, en attaque. Par contre, je vous cache pas que Yourmom, c'est juste pour la blague. Hein. Je risque de changer de Pokémon. Tu m'étonnes. Il est trop bien, malgré tout. Oh, le Carabaf... Non, il y a encore Carabaf. Carabaf Delta, non, c'est Carabaf. What? Thug Life, m'en fous, je prends. Ah, non, yes. Il est type Ténèbre Combat. Ah, me voilà dans la ville. Enfin, c'est pas trop tôt. T'as le centre Pokémon qui est un peu plus haut, juste là, voilà. Et après, la prochaine étape, c'est en haut à gauche, Titi, et c'est une de grotte. Je sais que t'aimes bien, donc. Ok. Alors, bonjour le marchand. Des repousses, s'il vous plaît. J'en ai utilisé dans la grotte aussi. Je t'aime beaucoup, mais je vais t'enlever. Ah ouais, mais j'ai plus de balles, donc je vais privilégier les balles, par contre. Féritide, j'ai fait. Pourquoi vous êtes débile? Bon, mon Pokémon, il veut pas, là. Mon Easy, il veut pas faire. Il veut pas s'en sortir. Full play. Ouh. Allez, c'est la finale. Du coup, prochain Pokémon, ce sera quelle boîte, s'il vous plaît? La boîte 1. Ok. Putain, c'est pas par là. Allez, vas-y. Sois confus. Putain, je suis boîte 15, t'abuses. C'est pour gagner que je fais ça. De toute façon, moi, c'est pas pour gagner que je joue, donc... pour le moment, je pense que c'est Papy le premier. Ah j'ai... Mais ici, il a utilisé Destruction. Regardez ce que j'ai chopé, parce que je vois là. Attends, t'es où, nous? Oh, un Shiny. Oui. Tu sais que normalement, ils ont le même taux d'apparition. Ah bon? Que dans le jeu de base. C'est hyper rare ce que t'as, et tu vas pas pouvoir le garder. Ouais, c'est pas grave. Au moins, je vais le capturer pour le truc. Yoniko mais... gagne un point symbole pour ça. Je fais deux points symboles, tu veux dire? Parce que si je le capture, ça va faire deux points symboles, hein. Oui, oui. J'ai déjà mon Lixi. Ah, déjà un Shiny. Bon, heureusement que c'est pas une Shiny Race, parce que sinon, on se serait tous fait éclater par New. Oui, et Titi serait deuxième. Oui, et Titi en a un aussi, hein. C'est vrai. Nous, on sera encore là, et Titi, on va dire... Le tue pas. Ah, Corpiche, ok, pourquoi pas. Voilà, tournoi fini, Zou, ça dégage. Moi j'en suis au deuxième, mais forcément, vu que je joue avec Métronome, c'est un peu plus long. Je vais faire tous mes combats avec Métronome, c'est un peu plus long. Même si toutes mes attaques sont stavées, du coup. Et ça, c'est marrant à faire. Normal type, Zanadbut. Oui. J'aime beaucoup l'idée de Métronome avec un Pokémon qui a Protéin. Bah ouais, mais je peux pas fuir toutes mes attaques à loup. Ah. Je deviens de type plante et je fais Petal Dance. Oui. Allez, Woobat qui sert pour la fame. Non, mais ok, je vais faire quoi? Triple kick. Oui. Allez, un petit... petit type combat et mon Pokémon qui change de look à chaque fois, c'est trop beau. J'aime beaucoup trop ce petit Easy. Je crois que je vais me garder la run et je vais faire une run Easy. Ce qui sera probablement une des runs les plus dures que j'aurai jamais faites, au passage, mais... Mais c'est la run Easy, je cherche pas trop. Ah, bah je me suis fait exploser par Ivysaur après, ok.
Oh, Ivisor, Ivisor, qu'est-ce que j'ai pour lui? Ça va être un peu compliqué. Il est trop beau. Il me baisse mon attaque, mais non! Lys Divinity, Gaïa, Ram, Lord Eli. En fait, il va me défoncer, je crois, hein, Louis Vizor. Quel dommage. J'ai Destruction et Destroyer. Ça fait beaucoup de Death. Frightmare. Moi, je connais Destino, sinon, n'est-ce pas, Titi? Hey, Soliness! J'ai un nom en caps lock. His Holiness. Bon, alors, Destroyer. Ah, coup critique. Bon, bah, mon meilleur Pokémon est tombé KO. Je pense que le Air Bizarre va me défoncer. Adieu, petit Shiny. Je sais pas ce qui se passe quand on perd le truc, mais je vais enfin pouvoir le découvrir, c'est bien. Et là, tu dois tout recommencer. Non. Et là, t'es obligé de gagner. Oh, Nick. Bah, je vais vous dire ça tout de suite, hein. Mais je pense que c'est peut-être ça, hein. Donc, si c'est ça, je pense que Papy est grand favori pour gagner la course. Ah, il va gagner, hein, ça c'est sûr. Mais comment je gagne sur un jeu que je connais même pas, eux? Bah, tout simplement parce que moi je suis en train de plutôt... Je suis en mode, je découvre les œufs, il y a des noms marrants. Oh, il est joli, Destroyer. Il est très joli. C'est qui, Destroyer? C'est C'est un Ganekid Delta. Wouah, il crache du feu. Oui, il est trop bien. Dragon Rage! Avec Dragon Rage. Début de partie Dragon Burst. Rage, ok. Metal Claw! Oh! Metal Claw! Ah bah écoutez, je vais capturer des Pokémon. Metal Claw! Bonjour, FT Cull! On a Metal Claw! Metal Claw! Ça va, hein! Il est Fire Anti-Air! Il est Fire Steel! Il est Full Stab! Wouah! Y'a quoi comme talent? Attends, j'ai pas regardé encore, j'étais en train de lui apprendre Metal Claw. Elle nous a vraiment fait ça à la manière japonaise. Oui, j'y peux rien, c'est un... Bon, moi je regarde la télé du coup. Dans ce mur. Ah, mais t'as raison. Weakness Policy. Oh, quand il est touché par une attaque super efficace, il augmente de 2 son attaque spéciale et son attaque. C'est un objet. Careful, Pokémon Center. Flame Body. Il peut brûler les gens qui l'attaquent. C'est mon chien. Ah, alors, Poison Gas. Metal Claw, Acid Armor, Dragon Rage, Flame Burst. Et alors, il s'est passé quoi à la fin de ton tournoi, toi? Je suis mort, donc faut que je recommence, je crois. Ah. Putain, par contre, le rouge... Mais non, vas-y. Le malus. J'ai pas réussi à toucher une seule fois, je suis paralysé. Ah, voilà. Bon, bah, Destroyer, je garde, hein. Là par contre, ouais. Oui, j'ai pris pour la blague et merci pour le Pokémon de la boîte 1, hein, du coup. Avec plaisir. Encore un coup, oui, c'était très violent. Ouh. Par contre, je save. Ok. Bah, il faut que tu viennes me voir, par contre, mon chat. Je crois que t'as plusieurs chats ici, mais je suis pas sûr que t'aies envie de les voir. Je crois qu'il miaule après la porte. Et c'est le chat qui miaule après la porte. Enfin, non. Jour 3, le chat miaule encore après la porte. Oh non, mais Newt, t'y mets pas toi aussi. Non, mais moi, c'est réellement, ça fait 3 jours qu'il miaule après la porte pour sortir. On va attendre je vais attendre un tour et puis je vais essayer de le capturer, c'est ma dernière ball. Ah, donc t'as pas eu à recommencer, si? Si. Oh, mais... Attends, t'es où? Ah oui! Donc mais... tu dois recommencer l'arène là, c'est ça? Ouais, enfin, mais je vais essayer de récupérer un autre Pokémon niveau 19 du coup, pour le faire. Yes. Joli! Bah, oui! Capturé! Sur la dernière boule! Oh bébé! Bon, après ça, j'ai plus de boule, c'est pas grave. Je vais chercher mon Pokémon, quelle boîte? 11? Ça va, j'étais boîte 12. Ah, d'ailleurs, j'en ai 2. Titi, dis-moi la boîte aussi. Boîte 13. 13, du coup, m'a dit Titi. Ah bah d'ailleurs, j'ai même pas regardé. Et pour mon deuxième Gunner, Pokémon, Easter, quelle boîte? Watchtower, Roark, Pirate, Lee, Bouboukez. Allez, je vais prendre Bouboukez. C'était quel, en fait? Tu sors le Pokémon qui a Soundproof.
Et j'ai un deuxième Pokémon à échanger. Donc. Papy, à toi de dire. 18 ? Ouais, je crois que c'était ça. J'étais boîte 4. Non, papy ! Tu es à Lucario. Ah bah non, c'est à Clefty. C'est logique. Ah bah oui. Pardon ? Comment ça, pardon ? T'as eu quoi ? Oui. Donc c'est le troisième de la deuxième ligne. Comment faire chier tout le monde, ça va être incroyable. Méga Arceus, ce sont le méga troll. Ah oui, moi aussi, mais c'est bien pour ça. Donc j'ai dit que c'était le troisième de la deuxième ligne. Oui. Reninkis, oui. Ah, ça va être l'enfer pour les adversaires, mais ça va être trop fort. Ah oui, mais à tous les coups, ça va être le méga troll, hein, mais... On sait jamais, tu vois. Bah, j'ai Gandalf qui est arrivé, qui a fait bonjour. Ah, là, il clé... Oh, mais... C'est l'enfer, ce Pokémon. Il est trop bien. Allez, je retourne faire cette arène... The Morse. C'est ça, Méga Rayquaza? Megarceus. Non, non. Ça, c'est le premier ref que j'ai eu. C'est full. Ok, donc c'est l'idiot. Bon. Ah, full et voilà, Megarceus. Attention. Sympa, ça. C'est même que toi, mais méga, en méga, papy. Mais regarde l'objet qu'a ton Megarceus, juste par curiosité, après. Allez, c'est reparti pour Thundershock, c'est très bien. Et c'est pas un mauvais Pokémon. En début d'aventure, il est même fort, vu que c'est un Pokémon qui est full évolué. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Bah, elle a vu ton Pokémon, je crois. Ah, allô? Non, on a pas eu ton Pokémon, c'est pas vrai. Fais voir son objet. Niveau combien? Ah non, c'est Weakness Voice, ok. Parce que, spoiler alert, dans ce jeu... Il y a une méga de ce Pokémon. Oh, oh. J'aurais bien aimé l'avoir. Méga Limonde. Il peut y avoir méga Limonde, quoi. C'est incroyable. Méga Limonade. Hein, non, c'est yes. D'ailleurs, dans les spoilers aussi, il y a méga Evoli. Hein? Il y a méga Evoli. Oui, je me souviens maintenant. Il est très fort, méga Evoli, en plus. Iron Rage. Okay. Et donc il y a une télé à spam en particulier. Ah bah c'est bon. J'ai rien dit. Oh, un Rotom. Eh oui, c'est un bon Pokémon, clairement. Et tu peux en avoir dans toutes les télés, du coup. Zubat. Par contre, la méga évolution, c'est pas parce que t'as l'objet que tu peux méga évoluer, il faut aussi l'anneau. Donc tu l'as plus tard, ça. Pour donner une idée dans ce jeu, Pour vous donner une idée, dans ce jeu-là, vous l'avez quand vous arrivez à peu près au niveau 50. Destroyer, il est trop fort. Et juste pour resituer, le niveau 50, c'est la troisième arène. Oh. Et ah oui. Il est physique. Regarde ce que je veux apprendre. Oh, joli. Parce que le jeu est long. Hein. En termes de durée de jeu, c'est mieux que beaucoup de Pokémon récents justement pour ça, parce que le jeu est très très long. Et c'est plutôt sympa. Bon, je perds 10 de trucs, mais il est physique, donc... Tiens, Nobit, pourquoi t'as arrêté ton attaque? Aïe aïe aïe. Bon, t'as quel niveau il évolue déjà, Galukid? Tard, je crois. Galukid, c'est 30 et quelques, il me semble, non? 32. Il me semble que c'est à 30 pour la première évolution. Merde. Est-ce qu'il a la même évolution que notre ami Dracolos, du coup? Non, c'est avant. Pour le coup, Dracolos, c'est 30 et 55, je crois, et je crois que c'est un peu plus tôt pour lui. Bon ben, Tchernobyl, KO, forcément. Ouais, mais par contre, en fait, laisse-toi te capturer, toi, un moment. Oui, bon. Il est fort, mais il est dur à capturer. C'est un peu le souci. Quelle boîte? Eh ben voilà, allez, imagine. Titi, ça te dirait la boîte. Boîte 19. Ah, je suis loin. C'était le plan de Titi. Destroyer, il avec Yon, tu peux l'endormir. Hein? Avec Yon, tu peux l'endormir, si jamais. Okay. Mais Destroyer, il est si fort. J'aime beaucoup Destroyer. Destroyer, ouais. Oh, t'as vu comment il est... En plus, il est trop chou.
Il n'est pas trop compliqué à comprendre quand tu connais pas les attaques anglaises, même s'il y en a des reconnaissables. Non, c'est pas trop compliqué, ça va, ça va. Mais oui, c'est en anglais, en effet. Il y a un des derniers gros jeux qui a été... un des derniers, entre guillemets, gros jeux fangame, qui va être traduit en français, si, il me semble. Le Lunar et Solar machin. Ouais. Ouh, intéressant. Il me semble que c'est celui... Alors, je sais plus lequel c'est celui que fait Fidron en ce moment. Il fait pas Lunar? Je sais plus, justement, mais il me semble que si. Oh, Induxio. Mais tu dors, laisse-toi te capturer, Rampi, one shot. Destroyer, il est juste trop fort. Tiens, New, tu peux me dire un chiffre, du coup, s'il te plaît. 15. Ah, bah enfin. Hey, j'en suis enfin à la fin contre Nora, mon dieu. Ça a été long, ce truc. Lord Helix. Erreur 4 en 4. C'est un Lord Helix. Y'a Kobashi, je vais prendre Kenta Kobashi, je suis obligé. Lord Helix. Oh, 19. J'ai hâte de voir quel nom il y a dans la 19. Alors, Kobashi, qui es-tu? Move. Tiens, Rinsu, donne-moi une boîte pour mon prochain F. Et on est parti pour l'éclosion du... Ah non, j'étais pas si loin. Dun Dun. Yoko Sensei. Ah, c'est Daru Macho. Ah, sympa. Aérosol. Rayman. J'ai vu un aérosol. 14 pour Rinsu. Oh, il y a David Tennant. Oui, j'ai vu. Quoi? Merci à tout. Oh, il y a David. Non, c'est pas David Tennant. J'ai fait peur, tant que ça. Gatling. 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 Aquadude. Peut-être un Remoray, vu que c'était une sorte Divinity. D'arme. Putain, c'est le deuxième Divinity que je vois après Genesect. Divinity original. Mais c'est moi, il y en a trois Divinity. Oracle. Il y a trois Divinity. Le Daron Macho Focus Gaston. Punch, la violence, quoi. Il y a Gaston. Il y a Gaston. Focus, ouais, par contre, Focus Punch, si l'adversaire attaque, ça marche pas. Il y a un Nob Ziggler. Il y a Gaston. Métronome. Et si se transforme, il devient de type normal. Et si tu spécial Rend, il se transforme en type dragon, oui, c'est ça. Yes. Ah, j'ai un choix crucial. J'ai soit un Ziggler, soit un Eddie. Eddie Guerrero. Oui, je suis d'accord. Vu qu'il n'y a pas de Nuzlocke, il peut pas mourir, donc c'est bon. C'est vaut mieux prendre Eddie. Oh, Gaston, il est pas drôle. Non. Oh, la blague, au secours. Oh bah Gaston, il va se faire stocker. On va retester. Ah, non, tu peux pas remettre après. Bah si, tu peux stocker. Oui, ah, tu peux stocker, oui, mais tu peux pas le rééchanger contre un autre Pokémon. Oui, non, mais je vais aller capturer autre chose. Ah, Chichemur. Tiens, je vais tuer pour l'XP, toi. Je vais aller... Putain... New. Yes. Bah, Bouboukez. New. Bouboukez, c'est un peu mon dieu à moi, maintenant. C'est devenu mon nouveau dieu. Il est très fort vu qu'il va est... donner Eddie. Ah non, c'est chez New, ça va. J'ai vu ce Pokémon. Non, c'est un petit Pokémon. Oh, ton Eddie. Ah bah écoute... C'est pas par mieux. Contre, la prochaine boîte, je sais pas, j'ai envie d'aller voir ce que c'est, les 17 de mon côté. Et bah, va voir ce que c'est 17. Et j'ai fini, enfin. Mon dieu, il était temps. Je suis full en retard. Oh non, t'inquiète, je suis derrière. Ah non, je confirme. Pour moi, le classement, c'est Papi, Kiné, New et Titi. Et je parle de moi à la troisième personne, ça me fait bizarre. Oui, je peux comprendre. Mais quoi mais... Je vais aller faire le lore dans la... Non. Dans la... Oui, dans merci. Putain, je me suis pas soigné. Oh, j'ai été fini, j'étais sérieux, Nick? Oui, j'ai obtenu retour, oui! Burn! Baby burn! Tiens, tu peux le faire plusieurs fois, le truc de la télé, ou pas? Oui, tu peux faire autant de fois que tu veux. Oh! Okay. Ça sent des captures massives pour avoir des gros niveaux 19. Je veux pas de niveau 19. Je suis niveau 15, hein, donc... Fampi. Oh, je le fais encore une ou deux fois, mais parce que là... Ah, mais Pokémon sont à quel niveau? Ouais, faut que j'aille les soigner. Par contre, ce qui est incroyable, c'est que dans un jeu Pokémon classique, là, on a déjà 3 badges, 4 badges, et on a toujours pas réussi à passer la première ville. Pas faux.
Destroyer a brûlé grâce à Flame Body et du coup ça a tué Fampi. Yes. Petit Fampi parti trop tôt. Petit Fampi que je voulais capturer. Oui. C'est bien ce que j'ai dit, petit Fampi parti trop tôt. Ouh, mais ils ont changé les looks de zone, tout ça, c'est trop bien. C'est trop cool ce qu'ils ont fait. Et en plus, il ne reste plus qu'un quart d'heure, les amis. Enfin, quasiment. Oui, il reste 19 minutes pour être précis. Oui. C'est parti, on n'a pas de temps à perdre. Iber. Ah, mais ils ont changé de look, trop bien. Moi, je redis, ils ont changé plein de trucs visuellement, c'est trop cool. Ouh, bonjour à toi, Sablaï. Alors, désolé, Izzy, mais là, j'essaie d'être rapide. Donc, je vais mettre Bouboukaise devant. Et voilà. N'ose pas se capturer. Et Papy, à la fin de cette grotte, il y a la première arène du jeu. À la fin de la grotte? Ouais. T'es dans une grotte, là? Oui. Ben voilà. Ok. T'arrives dans la première grosse ville du jeu, et dans la grosse ville du jeu, il y a la première arène. Ils aiment bien mettre des grottes un peu partout dans le jeu, là, non? Quoi? Ils aiment bien mettre des grottes un peu partout. Oui. Au départ, il y a pas mal de grottes, après, il y en a beaucoup moins tout d'un coup. Ouais, ben... T'inquiète, quand tu reprends à ton rythme, une fois les grottes passées, tu seras bien. J'ai déjà fait... Non, j'ai pas fait la T'as pris les repousses, du coup. Hein? T'as pas pris les repousses? J'avais plus de balles, donc j'ai pris des balles. D'accord. Il a un beau nom, celui-là. Snowstalker. Je sais pas si... Ah, mais ça lui fait rien. Pourquoi il m'a enlevé ma précision, ce bâtard? Ruby. Mais putain, y'a Ruby et Ice Queen, elle est où Blake et Yang? Là, tu me parles pas, moi, c'est trop... Addict... Screlp. Ah... Y'a Maurice. Maurice. Je sais où tu te caches. Y'a Black Rose again. Ouais, il est perdu avec tous les Pokémon, c'est trop bien. Ah non, mais là, non, mais tu... Y'a des noms, je suis en mode... Oh... T'inquiète pas, t'es pas la seule, niveau. Et Titi va nous lancer un live, son premier live, ça va être découverte des Pokémon. Découverte des œufs, on fait pas du... comment ça s'appelle, zut. Pack opening, des trucs comme ça, mais du egg opening. Yes. Ouais, il y a un concept, hein. Au moins t'as pas dépensé des centaines de balles pour des putains de packs, quoi. Allô. Allez. T'inquiète, j'ai fait la même chose. Oh non, mais Maurice, là, tu saoules. Oh, c'est pas mauvais comme Pokémon, en vrai. Papy, pour moi, des centaines d'euros, c'est très... Pour moi, Maurice, en plus, c'était le orang-outan dans la planète des singes. Donc ça va bien. T'inquiète. Ouais, c'est le poisson. Si tu prends le temps de penser, si c'est pas des sous que t'as claqué sur des packs, c'est des sous que t'as claqué sur des cosmétiques ou alors sur des abonnements... World of Warcraft, on pense à toi. Ça sert à rien, Adri. Alors, il y a Choice Band, hein. Choice machin. Oui, Choice Band, ça te limite à une attaque, mais elle est beaucoup plus puissante. Ouais, j'aime vraiment pas Maurice. Pauvre Maurice. Thor. Après, c'est son talent qui est terrible, surtout truand. J'attaque un tour sur deux. Ok. T'inquiète, un tour sur deux. L'un des pires talents de Pokémon, attaquer un tour sur deux. L'adversaire, il a abri, t'es mort. Tu fais plus rien. Ah, mais il y a du cargo. Et Papy qui arrive à la première ville. Est-ce que tu as... Alors, normalement, t'as un endroit où tu peux monter. Une sorte de... d'élévateur, de... Je sais pas comment ça s'appelle. L'air faisable, hein. Et à cet endroit-là, tu as la première arène du jeu. Ok. Tu as juste... c'était juste en dessous du centre Pokémon, d'ailleurs. Hein? Attends, la télé est parfaisable. Tu vois, juste en dessous du centre Pokémon. Bah, j'ai rien en fait. Mais si t'as, c'est juste qu'il faut insister. Et des fois ça prend du temps. Oui, je confirme. Non, en dessous du bâtiment, pas à l'intérieur. Yes! Je sais, mais moi je voulais acheter des trucs. D'accord. Ah, c'est là, d'accord. Excusez, mais moi je passe par là. Hein. Approuve. Oh, allez. Lui. Moi je me dépêche, j'ai une grotte à traverser parce que Papy a pris beaucoup trop d'avance et que je veux pas non plus le laisser gagner avec autant de marge. Mais non, c'est pas efficace, merde. Oui, bonjour. Dragon Claw. Merci madame. Ah, le tu passes, te plaît. Repousse. Ah non, je l'ai tué.
Ah, mais t'es rentré. Mais t'as déjà fait le truc avec les cariots là? Oui, je viens de le faire. Ok. J'ai un peu tracé, je dois reconnaître, mais je viens de le faire. C'était pour te rattraper. C'est le but. Oh l'enfer. Bon bah nous on se serre la main. Ouais non mais là on est tranquille, on fait notre vie là en fait. Moi je peux pas, vous serrer la main, je suis focus. C'est où qu'il faut que j'aille du coup au kiné? Juste en dessous du centre Pokémon, t'avais une sorte de truc noir. Ah vous parlez tous en même temps, allez, j'entends rien. Juste en dessous du centre Pokémon du bâtiment, t'avais un autre petit endroit là, juste là. Au-dessus là. Ah ça? Non, au-dessus. Je dis au-dessus, tu vas à droite. Ah ça. Voilà. C'est bon, désolé Titi. Rentre. Par contre, j'ai changé de Pokémon. C'est un Zorua. Oh le bâtard. Eh oui. J'avais une attaque super efficace sur lui, j'ai fait une attaque normale. Twitchin. Bon, ça m'a permis de j'ai posé tous mes pièges, donc ça c'est bien. Quelle boîte? 9. 3. Ah. 39. Y'a pas, quel dommage. Boîte 93. Oh wait, c'est pas tout compris. Jessica 9-3. Alors. Yes, le mec qui nous sort des références que seul lui comprend. Que toi aussi tu peux comprendre, donc ça va. Hop, ça y est. Rotom niveau 15. Donc ça veut dire que je vais avoir un Pokémon niveau 15. Ah, j'ai encore un Turpin. Ouh. Non, ça ira. Trop Clément Turpin. Cthulhu. T'as Cthulhu. Ah, j'ai Tailleur Brise. T'as Cthulhu aussi. Et t'as le Best Friend Forever. Alors, quelle boîte, s'il vous plaît? Bah, 9 du coup. 3 okay. Du coup. Non, 3 du coup. Vu que. Ok. Ça me va, je suis pas loin. Allez, Boubou Kays niveau 21. Par contre, il fera jamais l'arène, c'est un peu con. Je suis pas convaincu d'un type acier dans une arène feu. C'est pas celui-là que je voulais, mais c'est pas grave, on va le tenter. Alors, 3, j'ai déjà 3 Pokémon pris dedans. Maldon. Et voilà, Cubone, le petit Oslo qui tombe. Alors, le but c'est d'esquiver les dresseurs et d'arriver à la même ville que Papy. J'ai encore un Gandalf. Allez, que le champion! Comment? Ah! T'es déjà au champion? Bah oui. Mon dieu. Pandémonium! Bon, Gaïa, maintenant. Là, il va me sortir des Pokémon 29, je t'ai. Ah! Bah yes! Alors, qu'est-ce que tu me sors? 23. Ah! Bah, c'est pas loin de moi, là, pour le coup. Voilà, je suis à la ville. Oh, sinon, toi, ça va, Titi, de ton côté? Oh, moi, ça va, je viens d'avoir un petit tentacool dans un œuf. C'est bien, tentacool, pour le coup. Alors, je vais prendre des petites attaques. Moi, c'est bien. On est posé, hein. J'ai et un toi, petit marque à crin. Ah! Mon starter! Oh, c'est mignon, marque à crin en plus. Oui, mais c'est très nul. Comment je fais, moi? C'est pas ouf. Je vais capturer un Pokémon parce que je vais pas avoir le choix, en fait. Je sais où je peux te confirmer ça parce que c'est pas forcément le truc qui est le mieux depuis le début de mon aventure. Il s'appelle Gaïa, hein, donc je vais refaire le coup du Rotom encore. Hein. Voilà. Titi et New Maternité Simulator. C'est un peu l'idée. Ah, il me faut des balles. Est-ce que j'ai assez de sous? Chez écoute, chez. Maternité Simulator, ouais, c'est à peu près ça. Eh ben, des balles. Allez, je peux en prendre 48, je prends 48 Pokéball. Alors, par contre, mon petit destroyer a pris cher. Il reste 10 minutes, mon dieu. Déposite. Est-ce qu'on fait ça au nombre de 9 et de 9 et clos, du coup? Non. Moi, je retourne faire la télé, hein. Mais quoique, il y aurait un duel entre XP en vrai, hein. Oui, je suis blablabla. Bonjour. Chez, tu t'es suicidé, connard, pardon. Non, merci pour les 3000 d'XP que t'aurais obtenu seul, hein, ça fait toujours plaisir. Thunder Wave, non. Allez, allez. Les wheels.
Double Team. Oh. Le Pokémon Mega Arceus du monde. Yes. Yes. Bon, Gandalf en LDD, tu vas tanker. Vous ne passerez pas, comme diraient certains. Mm. Bah, c'est un peu son rôle, non? Mais il n'y a pas de Pokémon. Il est où le Pokémon? Dag. J'espère que ça passe. J'aurais dû lui mettre Hypnose. 5, 6, 7, 8. Oui, c'est ça. Pas sûr que ce soit le choix le plus malin, mais j'ai pas trop le choix. Il est là, il est là, j'ai vu le Pokémon. Voilà, Pokémon sauvage. J'ai un beau Pokémon sauvage. Mais on... c'est pas toi qui m'intéresse. Merci. Si on peut te capturer, on te capture. Mais si on peut pas te capturer, on te tue. Ah. C'est pas grave. Ah, pam pam. Pokéball, vas-y. Il me reste quoi? Il me reste 8 minutes. Ça va être un peu dur pour moi d'avoir. Ah! Et Rotom! Papy, toi, t'en es où? Le champion est en train de me mettre très mal. Il est compliqué, on champion. Est pareil, New. Hein. On galère face à un Rotom là. Mais rentre! Ah, il vient de se réveiller. Oh, heureusement, il fait pas une attaque. Il fait des bonjour. Attaques. Non, j'ai rien pour l'endormir, du coup, il est dans le jaune. Il me donne des sous, c'est très bien. Allez, on est reparti, on remonte. Parce que tu, pour le moment, on a égalité avec Papy. Hein. Ouais, j'ai de l'avance sur toi quand même, donc. Je suis à l'arène. Rentre dans cette Pokéball, bordel. Ah, d'accord. Je suis à l'arène. Ah, il me reste 3 essais. Et après, j'ai plus de ball. Il va falloir que j'aille taper du dresseur. Bah, GG, ça, Reddy. De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a fait son setup, j'ai l'impression, pour lundi. Oh, allez. Nice! Ah oui, c'est vrai que lundi, c'est le début de Twitter. Toi. Contre Boom Boom, j'ai un Boom Boom, très bien. Il y a même demandé ce que tu cherchais à faire. Ça a fait boom dans mon cœur. M'énerve. D'accord. Mais non, mais le truc là, ça fait 10 balles que je lui balance. Rentre dedans! Ouais! Il veut toujours pas rentrer. Papy, dans mes balles, je viens d'avoir un Pokémon, c'est incroyable. Qui... Ah ouais, il va être utile face à du feu, tiens. On est d'accord, c'est vraiment incroyable, j'ai eu le meilleur Pokémon au meilleur moment. Non, t'as j'ai clutch, du Pokéball. T'as tellement clutch. Bon ben, ouais. Rotom, hein, je suis désolé, mais free XP. En plus, elle prend trop d'attaques, ça met trop de temps à passer. Dégage, je te veux pas, mec. Alors, Gandalf, tu vas arrêter de miss. Voilà, merci. Allez. Toi, tu serviras à rien non plus. On va te poser. Hop. Ouais, Destroyer niveau 16. White Guard, qu'est-ce que c'est que ça? Il reste combien de temps? Il est 24. 2 heures et 2. Nye. Quelle boîte? Tiens, Rendil. Quelle boîte pour moi? Il est toujours là, bien sûr. RND, si tu es là, on attend une réponse de la part de toi. De la part de toi? De ta part, si tu veux, ça marche aussi. Ah, il est one shot. Ok. Il dit un truc trop mignon, regardez. Destroyer, il se pratique it's Metal Claw. Ok. C'est un jour de naissance. Il est trop mignon. Oh non, j'ai pas envie de te tuer, toi, je t'aime trop. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Oh, je suis obligé de le prendre. C'est quoi? Cheddar. Oh. Cheddar. Alors, en fait, c'est des courses assez particulières parce que les deux premiers essayent de gagner, les deux deuxièmes essayent de s'amuser. Oui. Je suis obligé de le faire. De le faire avec la vie qui s'appelle Cheddar. Hein. Non, moi, non, maintenant, non. Je pex. Hein. Putain, si il m'a one shot. Oh, mais de toute manière, à 5 minutes de la fin, on sait qu'on a perdu, moi et New. Oh, mais oui. On s'amuse, hein. Du coup, moi, je veux le Rex, non? Je vais voir si je peux choper des balles après. Bonjour. Donc, ok, il m'a baissé mon attaque, ça me va. Cheddar, c'est un chien. Il m'a baissé mon attaque spéciale. Oh. Ça tombe bien, j'adore le Cheddar. C'est un fan deal.
Ah. Bon, moi, je suis en mode fait chier, votre cheddar pour sortir. Mais... Le cheddar deal, donc. Je suis totalement sous niveau. Et puis, il va faire ça. Oh non, mais non. Ah, il fait trop mal. Hein, J'ai cru qu'il allait dire je suis totalement saoulé des blagues. Ah bah, il pourrait en faire un. Non, mais je suis même pas au champion là encore. Le champion. Monster Sport, ça peut être bien. Normalement, tu résistes un peu. Non, ah, c'est pas non. Le moment de rater ton attaque, enculé. Pardon. Flame Burst, bon, on est mort. Mais... Non, même pas. Tu okay. Arrêtes un peu. Oui, chat. J'ai gagné un peu de pognon, mais là je vais. Place allez. Les vampigraines. Allez. Oh, Shedar évolue. On est tous city pour faire quelque chose. Shedar évolue déjà, quoi? Oui, il évolue. Et on va remettre Izzy. Et on va y aller sur les métronomes, hein, du coup. La joie. Izzy métronome, allez. Normal type. Une graine, ok, bah je suis planté. Shedar a évolué, c'est devenu une raclette. Yes. Bon. Ok, ben Izzy est mort. Ah merde! Yeah, ça va bien marcher le truc que j'ai mis, c'est trop bien, je suis content. Non, pourquoi j'ai fait. Oui, bon, c'est pas grave. Mais puis j'ai eu juste. Oh, ça a l'air d'être un riche ça! Rapporte-moi du pognon, toi, au lieu de faire ton réchaud là. Oh oui, au pognon. Un sacré paquet de pognon! Pognon! Ok. Tiens, Dragon Rage! Non, non, pas neuf, pas oh, neuf! Mais non! Mais ni tu neuf, sérieusement! Champion battu! Bien joué! J'ai... À deux minutes de la fin! Le clutch! Le clutch ici! Bonjour madame! Toi alors aussi t'as l'air d'avoir de l'argent! Alors que moi j'essaye d'avoir un Rotom, Papy vient de battre le champion! Regarde quel est mon meilleur Pokémon, Papy! Il y a un bébé dans le jeu! Oui. Ouais. Ah, mais moi, c'est le Klefki, donc ça aurait été un peu compliqué, la reine, avec Klefki. Je t'ai vu revenir comme une balle, alors je sais pas quoi être en avance, j'ai eu très peur. Je peux comprendre. J'ai pas eu ce que je voulais non plus. Destroyer niveau 17! Je me demande pas si... Ils ont peut-être changé pour que ce soit après la reine, parce que normalement, tu peux avoir un Pokémon de 30 avant la reine. Pokémon sauvage. Spirlix! Mais c'est une dresseuse fée, mais j'ai Metal Claw, mais je vais la niquer! Est-ce que j'ai vraiment peur Mickey? Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est qu'on va arrêter la course dans une minute, mais que je vais laisser le live avec Nuneco qui commente ce qu'elle fait. Non, mais j'ai vraiment peur Mickey, je me suis fait peur toute seule. Nudes, en fait, j'aurais dû te dire avant si tu voulais une motivation, mais si t'arrivais à avancer encore un tout petit peu dans la prochaine ville où tu pourrais acheter des vêtements. Quel enculé! Mais connard, pourquoi? Et j'en ai parlé aussi, j'ai dit qu'il y avait une statue plus grande du monsieur, à un moment. Putain, mais fallait me le et dire je n'ai pas menti pour la statue plus grande. Pour ceux qui regardent mon retour, voici la statue de l'augure, du second augure. Il fallait me le dire qu'il y avait une boutique de fringues, j'aurais pas perdu mon temps. Elles sont fous de ce que tu dis maintenant, c'est la boutique, je te détaille. Putain, la boutique de fringues, quoi. Puisse ses coups critiques et son focus blast ne ratez jamais. Et puisse-toi être au deuxième tout... Non mais... La boutique. Allez, papy. Mais moi, j'ai fini mon arène, j'ai gagné, c'est bon. Oui, yes. Et là, c'est fini. Il est 16h30, du coup, la course se finit. Et papy garde son titre, parce qu'il a un badge et que moi, je ne l'ai pas. Tout simplement. Chez Et papy juste fallait du coup. Dire qu'il y avait une boutique de fringues. Mon meilleur Pokémon il était de type acier hein, donc. Bon, c'était compliqué. J'ai envie de te dire qu'un jour t'as la motivation de te faire des best-of sur YouTube. Prends cette fin, elle est goldée. Ah mais ça va être utilisé, déformé. Et je vais reprendre tout ce que New a fait pendant ce live parce que c'est tout le live est goldé grâce à New. Alors non. Et pour les transis. Pour les transits, tu prends séché. Chez. Nick. Fils de pute, c'était très beau aussi. Mais ça va, je vais essayer des trucs qui sortent du cœur. Un HP. Bon, je suis content, j'ai quand même mis la pression à papy.
Bah, j'avais tellement d'avance, j'ai gagné le tournoi du premier coup, genre easy. Toi, t'as galéré, j'étais en mode c'est bon, je vais avoir 10 minutes d'avance. C'est... Ah, moi, j'arrête d'avancer. Alors, quand il reste une demi-heure, dis-moi. Faut voir la boutique de fringues. Là, je me vois sortir de la grotte alors que je suis dans mal face au champion. Je suis là, yes. Ouais, et je suis arrivé. Là, mon prochain combat c'était le champion, mais jamais je veux gagner. Donc, mais Ferdinand, bordel, tu seras rien comme dans le jeu! Donc, aurait fallu. Là, ma seule solution, c'était soit d'entraîner certains Pokémon très haut niveau, parce que sinon j'y arrivais pas. Soit d'aller chercher des. Bah, les fameux. Rotom. R&D, il a un message pour New. Il dit: tu feras attention, New, t'as un Pokémon préféré Niwa dans la gorge. J'ai pas un Ronflex, si? Bah, apparemment, tu as un Ronflex. Bon, en tout cas, merci du coup. D'avoir été présent, encore une fois. Mais de rien. Parce que... Mais de rien. Ça fait bizarre, c'est la première fois que je participe du coup à une demi-course, en fait c'est dur, donc je crois que je vais essayer de rester en dehors des courses pour les prochaines fois et vous laisser faire. De chez. Chez. Et donc, bah voilà, voilà. Juste pour la fin, on rappelle que Papy a son live ce soir. Oui. Ne pas hésiter. Du tout aller le voir. Ne pas du tout hésiter. Il fait son live. Voilà, The Running Defender Undisputed Pokérès. Lima Speed. Need for Lima Speed World Champion Title. Yes! Ça va, Brock Lesnar? Faut que je m'entraîne à le dire. Je vais me faire un t-shirt, un Arrive. Arrive win, win in Pokérès. Oh, tiens, un truc que j'ai chopé en Shiny. Voilà, la coupe de Papy est grandie au fur et à mesure que son ego grandit. Ah bah avec ce que je viens de montrer là aujourd'hui, c'est bon, tu peux prendre tout l'overlay. Hein. Alors, on disait... Par contre, ça passe en dessous, c'est très moche, mais c'est pas grave. Que la coupe de Papy... Prenez tout l'overlay. Papy, franchement, t'es un peu démesuré, je trouve. Hein. Mais je n'ai aucune mesure. Non, je veux voir. Qui n'est Cathy? Je veux voir. J'ai pas vu. Bon. Oh, il y a une pub. Voilà. Je vais vous laisser. Une pub au début. Hein. Ah, quand tu lances le live, ça arrive, oui. Ouh, mon dieu. Voilà. On remercie. On essaye d'apporter à... On est 15 à essayer d'apporter le trophée que Papy a gagné, qui est à la taille de son ego du coup. Yes. Il y a Titi qui dit que ça en allait, par contre. Titi, merci, du coup. Et, Mais de rien. Et j'espère que ça t'a plu, quand même, vu que... Ouais. Oui. Oh putain, oui, la coupe. Non, mais ça va. Je vois pas le souci. La semaine prochaine, c'est ça. Du coup, la semaine prochaine, je voulais vous demander votre avis justement sur ce qu'on allait faire. C'est que soit, apparemment, la semaine prochaine, on va faire une Poké Race, vu que Rinsu avait envie de participer à une Poké Race. Mmh. Tout simplement. La semaine prochaine, ça sera une Poké Race. Je ne sais pas exactement sur quoi ça sera. J'ai plusieurs idées, mais je ne sais pas encore. En tout cas, ça va changer. J'ai pas envie de faire la même génération ou le même jeu à chaque fois. J'ai envie de varier au fur et à mesure. Et après, une fois que j'aurai fait les différentes variantes que je pense exister, on verra avec vous ce qui vous a plu le plus. Et on refera celles qui vous ont le plus intéressé. Hein, la Gen 3, par exemple. Plus tard, je pense que je ferai des courses, du coup, sur d'autres jeux. Et pour ça, je verrai avec vous, j'aimerais savoir s'il y a des jeux qui vous semblent intéressants à effectuer en course, des choses comme ça. Demande pas à Niwa, on a deux fois. Allô. J'avoue que pour Niwa, on connaît déjà sa réponse. Elle est même pas droit, cette coupe, en fait. Ah mais j'ai entendu un vroom, en fait. Vroom. Il y a genre une moto qui est passée, mais en mode... D'accord. Bon, allez. Très bien. Bon, ça, tu peux mettre ce bruitage en transition de tes best-of. Hein. Non. Oui, oui, oui. Non, mais en fait, ça va plus s'appeler le best-of de la chaîne de Kiné, ça va s'appeler le New Ne Kostoff. Vu que tu fais ça une fois par semaine, à chaque fois, t'appelles ça le New Best-of. Hein. Ça marche tout ça. Non. Oui, le New Best-of. Sacré cylindre New, nous dit Arendil.
Là-dessus, moi, je vais vous laisser. Je vais raid Solive, qui est du coup, qui va faire du, je sais plus trop quoi. Vous avez vu. Ça avait l'air cool. Bisous. Des bisous à tous dans le chat et peut-être. Dès que j'aurais pu voir le boutique de fringues. Bah, tu peux toujours continuer si tu veux. Moi, ça me dérange pas du tout. T'inquiète. La prochaine fois que tu vas lui demander de participer à une course, ça va te dire si tu me caches la boutique de fringues, je te démonte. La prochaine fois que je... Non, c'est surtout que la prochaine fois que je lui dis est-ce que tu veux qu'on faire une race, tout ça, elle va me dire non, je j'ai pas encore trouvé de magasin. Chiche. Chiche. Sur ce, des bisous à tous. N'oubliez pas d'aller voir Papy sur sa chaîne. Je mets un lien rapidement. Ce soir à 20h30, c'est super important parce que c'est un live de qualité. Voilà. C'est un live un minimum préparé par rapport à d'habitude. Et puis nous, on se retrouve demain pour le React Nanar. Du coup. Oui. Yes. Tu sais sur quoi, du coup? Non, ça dépend ce que j'arrive à trouver. Ah oui. Mais en ce moment, c'est compliqué de trouver des films, je trouve. Oui, je trouve aussi, j'ai plus les mêmes repères qu'avant. Enfin bref. Du coup, on va clore rapidement. Je vous fais des bisous à tous et on se retrouve demain à 20h30. Et ce soir à 20h30 chez Papy. Voilà, voilà. Bye bye et merci encore à tous d'avoir participé. Bye bye. Bye bye. Et... Arrive au moment de la pause, je crois. Non, il va commencer, je crois. Ah. C'est le début de son live. Pour avoir en premier commentaire, la joie de me faire perforer l'anus par un Captain Falcon qui joue hyper bien de ouf et qui donc n'a rien à faire dans les matchs potentiels. Merci Xenomorph, ça fait toujours plaisir. Ouais, j'ai sauvegardé, je pense que je dois continuer ce jeu. Moi j'ai des œufs à ouvrir, une boutique de fringues à choper. Fringues à choper, évidemment. Et moi du coup, de toute façon, j'étais obligé de répondre ça. Hein. Ça se maquille. D'accord. Oui, c'est du cosplay, apparemment. Ah bah oui. Si j'étais pas aveugle, j'aurais lu le titre en fait. Donc petit raid au bon moment. Mais c'est pas grave, ça pour le coup, c'est pas très très grave. Mais... Bon, j'espère que ça vous a plu.